Au nom de Laval en transition, je vous souhaite la bienvenue à cette activité. Ce soir, on va discuter d'habitation écologique, du lien que peut avoir notre habitat sur notre bien-être individuel, mais aussi, et pourquoi pas, sur notre bien-être collectif. Et quel impact tout ça a sur notre environnement? Je me présente, mon nom est Paul-André Dagenais, résident de Sainte-Rose, et j'aurai le plaisir d'animer cette activité ce soir. Laval en transition est un mouvement citoyen né d'une volonté commune d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, transformer positivement notre communauté et lutter activement pour renverser la crise climatique. Excusez-moi. Les valeurs qui guident les actions des citoyens et citoyennes de Laval en transition sont la participation, la démocratie, la communauté, le respect, l'imagination, l'audace. Et tout ça avec le sourire, bien sûr. Inspiré par ces valeurs, Laval en transition désire rendre hommage au peuple autochtone qui, bien avant l'établissement des premiers colons, était présent sur les terres où nous sommes rassemblés. Nous désirons souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Mohawks, les Ganiagaha. Ces terres ont longtemps servi de lieu d'assemblement et d'échange entre les nations. Je profite pour vous remercier de prendre part à cet événement d'effet transition. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez à cœur d'entreprendre ou de pousser plus loin vos actions pour la lutte au changement climatique et pour la transition sociale et écologique de nos communautés. Que ce soit par de simples gestes que nous pouvons faire tous individuellement ou des actions conjointes que nous pouvons faire collectivement. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site lavalentransition.org. Effet Transition compte de nombreux partenaires. Je tiens à remercier notamment la Ville de Laval et Caisse d'économie solidaire Desjardins. Et un merci tout spécial à notre partenaire de la web diffusion, Cinéquinox, qui propulse la plateforme regardezmoi.ca. Finalement, Effet Transition est rendu possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci également à tous nos bénévoles qui ont donné de leur temps pour rendre cet événement possible. Nous souhaitons remercier également les élus ayant contribué à la mise en place d'Effet Transition, un événement par et pour les citoyens. Une liste exhaustive de tous les partenaires et amis est disponible sur le site effettransition.ca. Concernant notre activité maintenant, je vous informe que cette activité est enregistrée. Elle sera accessible sur le site regardezmoi.ca des archives d'Effet Transition. Cet accès est réservé aux détenteurs de passeport jusqu'au 12 juin de cette année. À tout moment, durant l'activité, vous êtes invité à inscrire vos questions et commentaires dans la zone de discussion. Marianne Perrault, notre coordonnatrice, sera votre voix et s'assurera de transmettre vos questions aux panélistes durant la période des questions qui aura lieu en deuxième partie de notre activité. Finalement, sachez qu'une vaste majorité des conférenciers et tous les animateurs participant à Effet Transition le font à titre bénévole. J'en profite pour remercier tous ces gens pour leur dévouement. Merci aussi pour ces belles rencontres et surtout, merci de participer à cette belle et grande cause. Sans plus tarder, je vous présente le premier panéliste. Il s'agit de Maxime Brosseau, architecte et responsable du développement durable chez Zaraté-Lavigne. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, lorsqu'on construit et qu'on rénove notre habitation, comment s'y prend-on pour que ça s'inscrive dans un processus de développement durable ou, comme tu aimes le dire, de design régénérateur? C'est justement qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer via un projet qu'on a dans Sainte-Rose à Laval. Donc, je vais partager mon écran. Oui, non, peut-être. Donc, bonjour à tous. Maxime Brosseau, architecte associé à Zaraté-Lavigne Architecte. Je suis certifié PA LEED et LFA, donc pour l'Institut International Living Future Institute. La très bonne question de Paul-André, rénover son habitation écologiquement, comment on s'y prend? Donc, je vais essayer de vous donner
des pistes de réflexion sur comment qu'on peut faire et ouvrir le débat avec ce, justement, via un peu un projet qu'on, sur lequel on travaille, qui est la maison SAS. Donc, cette maison-là est une maison de 1845 qu'on utilise présentement, qu'on est en train de planifier la rénovation avec la certification Living Building Challenge. On aurait pu utiliser plusieurs autres certifications, que ce soit Passive House, LEED, même les certifications de l'ONU. Il y a, juste pour vous, votre information à tous, il y a environ 300 certifications possibles en ce moment au monde qui courent un peu partout. Donc, on a choisi celle-là. Principalement parce qu'elle a la caractéristique plutôt de regarder tous les aspects dans le fond d'un bâtiment. Donc, on peut voir ici les critères, les 20 critères qui sont obligatoires pour avoir la certification. Donc, on parle de, autant de site, d'eau, d'énergie, de santé, bonheur, esprit, équité, éducation. Donc, c'est vraiment une certification, une vision. Dans le fond, c'est surtout ça que je veux tabler aujourd'hui. Principalement, dans le fond, faire un projet régénérateur, un quartier régénérateur, des rénovations régénérateurs, c'est réellement une philosophie, un acte, c'est prendre le temps de regarder les choses. C'est vraiment avoir une réflexion holistique, c'est-à-dire regarder tous les aspects que chacun des gestes qu'on va poser, chacun des choix qu'on va faire pour regarder, dans le fond, et qu'est-ce qu'ils ont comme impact. Donc, on parle vraiment de tout utiliser, notre cœur, notre cerveau droit, notre cerveau gauche, de s'engager, de vraiment prendre notre temps déjà. Ça veut dire aussi des projets qui prennent beaucoup plus de temps, de réflexion, d'analyse qu'un projet, disons, dit standard. C'est aussi prendre justement le temps de regarder des éléments qu'on n'est pas habitué de prendre ou de regarder dans les projets de ce type-là. Ça veut dire, on parle justement de carboneutralité, d'équité, de design biophilique. Ça veut dire penser aux liens que l'humain a déjà avec la nature. Donc, vraiment, les liens intrinsèques qui sont innés, qui sont inscrits dans nos gènes, dans nos façons de fonctionner et les intégrer dans le design. Donc, vraiment penser à des lieux de refuge, la découverte, les matériaux, etc. Donc, on parle aussi de beauté. On a souvent tendance à oublier la beauté, la conception architecturale, la conception design intérieur. On le met souvent de côté. La justice, donc avoir vraiment un des gestes d'équité, de justice sociale, d'investissement, de travailler justement avec des groupes qui permettent de, dans le fond, un peu l'idée de si on est capable de financer un projet, ben on est peut-être capable d'aider aussi un peu la personne qui est à côté de nous. Et sur le Red List Free, qui est dans le fond les compositions chimiques, on regarde qu'est-ce qu'on mange, la composition des aliments qu'on mange, on en parle de plus en plus, de transparence dans l'alimentation, mais c'est la même chose pour les matériaux. On leur touche, on les respire. Des fois, on les mange parce que c'est par terre, ça tombe par terre, on passe notre main par terre, puis finalement, on oublie, on se la fait à main, puis on finit par manger une pomme. Donc, les contaminants qui peuvent être dans nos matériaux peuvent se retrouver dans notre corps, et c'est énormément d'études qui le prouvent. Donc, aussi, la composition chimique des matériaux est très importante. Donc, juste pour vous donner une idée de ce que ça peut signifier, dans le fond, ce genre de réflexion-là. Notre projet, c'est justement, comme j'ai dit, une maison de 1845. Deux éléments en particulier, la consommation d'eau, juste pour, comme vous pouvez le voir les chiffres, maison SAS prévoit une consommation de 69 litres par personne par jour, versus la moyenne au Québec qui est de 386. La moyenne en Europe est de 137. Donc, on est capable, avec des gestes très simples, d'avoir un impact complet. Sauf qu'il faut le regarder pas juste avec les chiffres de consommation. Comme j'ai dit tantôt, Living Building nous porte à une réflexion complète. Donc, après, c'est de regarder comment on utilise ces systèmes-là, leur composition chimique, leur provenance, qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie, comment on les jette, comment on s'en débarrasse, comment on les répare, on les répare-tu, on les répare-tu pas. Donc, c'est vraiment regarder l'ensemble
Puis on voit un peu la même chose pour la consommation d'énergie. On parle d'une réduction d'environ 62 % par rapport à un bâtiment de code standard en ce moment. Si on se pose la question, est-ce que écologiquement, toute cette réflexion-là vaut la peine? Vous pouvez voir, pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous avez ici, dans le fond, les résultats d'analyse de cycle de vie du projet qu'on a fait faire par le LIRID de l'Université de Sherbrooke. Donc, il était un réseau de chercheurs en analyse de cycle de vie. Ça veut dire regarder, dans le fond, l'impact que le projet a de l'extraction de la matière jusqu'à sa fin de vie. Donc, qu'est-ce qu'on en fait à la fin? En vert foncé, dans le fond, l'espèce de vert, pomme, vous avez le scénario qui est une rénovation code. Ça veut dire qu'on suit les normes du code standard, sans, rien de plus, qu'est-ce qu'on est, tout le monde est habitué. Et en vert plus foncé, plus jaunâtre, une rénovation avec la certification Living Building Challenge. Les points que vous voyez, c'est des pourcentages, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Qu'est-ce qui est important de se rappeler, de comprendre, c'est que pour avoir une diminution en analyse de cycle de vie de l'ordre de 5 %, ça veut dire ça a un impact énorme. Donc, on peut voir qu'ici, faire une rénovation LBC versus une rénovation au code, a effectivement de grands gains, que ce soit pour la santé, les écosystèmes, le climat. Et le climat, on parle aussi de changement climatique, on parle GES, mais on parle aussi de quantité d'énergie utilisée. Donc, ça veut dire même on est plus performant qu'être branché à Hydro-Québec. Pour ceux qui s'intéressent, les débats versus Hydro-Québec. Donc, oui. Ça a beaucoup d'importance. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme choix? C'est surtout de regarder ça de façon complète, de préférence. Que ce soit une maison, que ce soit une rénovation de salle de bain, dans le fond, on peut toujours prendre ce genre de réflexion-là. Une réflexion qui est dite complète. Dire, mon choix de peinture, qu'est-ce qu'elle contient cette peinture-là? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle va produire comme déchet à la fin? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est vraiment mégaie? Donc, c'est toutes ces réflexions-là, pour faire une histoire courte à la réponse, qui, à mon sens, est très important, qui nous permet vraiment d'avoir les projets les plus régénérateurs. Donc, Paul André, je te recède la merci, parole. Merci, Maxime. Merci de mettre la table sur ce beau sujet. Notre deuxième panéliste, Frédéric Wiper, qui est, lui, cofondateur de Solutions Era. Frédéric, bonsoir. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Frédéric, chez Solutions Era, vous offrez, entre autres, des formations en bâtiment écologique. J'ai deux questions pour toi. Oui. Qu'est-ce que les gens viennent chercher lorsqu'ils viennent justement suivre une de vos formations? Puis l'autre question que j'ai envie de te poser, c'est... quel conseil donnerais-tu aux gens qui souhaitent se lancer dans un projet d'éco-construction? Parfait. Oui, très bonne question pertinente. J'ai fermé ma vidéo juste parce que tout allait bien dans mon Internet de fond de rang. Mais aussitôt que c'était mon tour, ça l'a glitché un peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. C'est que je vais continuer sans vidéo pour l'instant. Fait que première question, qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils viennent chez Solutions Era? Bien, les sujets que Maxime a abordés, c'est vraiment ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher principalement genre des idées de matériaux, l'empreinte écologique, du design, puis tout ça. Aussi des informations sur les certifications. Beaucoup dans les détails, puis la finition, les matériaux, coupe de mur, impact. Mais après ça, la question que je trouve extrêmement pertinente, c'est quoi les meilleurs conseils que j'ai à donner? Puis c'est de dézoomer à la place de focusser sur les détails. Parce que dans le fond, nous, avec Solutions Era, ça fait plusieurs années qu'on donne ce cours-là. On a vu des milliers d'étudiants pour notre certificat de 6 mois, 6 fins de semaine. Puis on s'est aperçu que pour passer à l'action et être capable d'exécuter avec brio sa vision,
Il faut les mettre les choses en ordre de priorité, puis il faut les dézoomer des détails, de matériaux, d'impact, puis tout ça. Puis là, reculer, pouf, puis l'étape numéro un, le conseil que je donnerais, c'est de vraiment clarifier sa vision, son rêve. C'est quoi l'expérience qu'on va aller chercher? On me demande de commencer ma vidéo, je vais essayer de voir. Peut-être que vous allez réussir à bien me voir. On va essayer ça. Mais si jamais ça ne marche pas, fais-moi des signes et je vais refermer ma vidéo. Fait que, étape numéro un, vraiment de dézoomer et de regarder c'est quoi sa vision, son rêve, c'est quoi l'expérience qu'on veut vivre. Ce serait le premier conseil, que c'est la première étape. Puis vraiment, ancrer avec ça. Puis la deuxième étape, dans le fond, c'est de vraiment concrétiser c'est quoi ses valeurs. C'est-à-dire, genre, c'est quoi les choses qui sont importantes pour nous dans la vision, l'endroit qu'on veut aller. T'sais, est-ce que, puis là, on a créé des termes pour essayer que les gens se comprennent mieux. Il y a des gens, quand ils disent une maison écologique, parlent d'une maison saine. D'une maison, genre, vraiment saine, naturelle, avec des matériaux qui sont bons pour la santé. D'autres gens, quand ils parlent d'une maison écologique, parlent d'une maison super performante avec des matériaux vraiment avancés. Là, on pourrait penser peut-être à quelque chose comme une certification Passive House. Mais qui sont vraiment focus sur la performance. D'autres gens vont regarder un peu ce que Maxime nous disait, qui est l'empreinte écologique, le cycle de vie au complet. C'est que d'autres, c'est comme nos énergies grises, le cycle complet, c'est comme nos écologiques purs. Fait que tu sais, il y a des gens qui veulent la maison saine, du monde la maison performante, d'autres la maison écologique dans son cycle de vie. Il y en a d'autres qui ont vraiment un focus, eux, sur l'autonomie. Tu sais, quand ils parlent de maison écologique, c'est autonomie et résilience. Je veux que ma maison puisse amener eau, chaleur, nourriture, électricité, répondre à mes besoins de base pour moi et ma famille, indépendamment de tout système externe, de toute autre chose à l'extérieur. Fait que ça, c'est nos quatre grands piliers. Puis aussi, celui-là de la simplicité, de vivre plus petit dans une mini-maison ou en commun. Fait que tu sais, l'étape numéro deux, c'est vraiment de clarifier, tu sais, c'est quoi mes valeurs qui sont importantes pour moi quand je dis je veux une maison écologique? C'est quoi l'importance que j'accorde à une maison saine, à une maison performante, à mon cycle de vie, à l'autonomie, à la simplicité? Puis gagner de la clarté là-dessus, ça serait la deuxième étape. Puis dans l'autonomie aussi, il faut voir, c'est est-ce que je veux être autonome ou résilient en eau? Est-ce que je veux avoir de l'autonomie en nourriture? Parce que la chose qui pollue le plus au Québec, c'est pas le chauffage, c'est la nourriture qu'on produit des tomates dans des serres chauffées au mazout où on la fait venir de la Californie en hiver. C'est quoi mon apport en chaleur? T'sais, je veux être autonome, je veux être résilient, je veux la simplicité, je veux pas me saler les mains avec le bois. Avoir de la clarté là-dessus, puis l'électricité, évidemment. Fait que, un, la vision. Deux, nos valeurs type d'écologie qui nous intéressent, sain, performant, empreinte, autonomie et simplicité. Puis dans l'autonomie, c'est quoi les besoins de base d'être humain que je veux combler. Puis après ça, étape trois, le conseil que j'aurais, c'est des ressources. Vraiment bien évaluer vos ressources de temps. Quand est-ce que vous voulez faire, dans combien de temps, puis combien d'heures par semaine vous voulez mettre. Parce que une des erreurs que les gens font souvent, c'est qu'ils s'aperçoivent pas que même avec une maison clé en main, j'ai pas dit auto-construite, maison clé en main, il y a près au moins de 600 heures. Fait que 600 heures, si tu mets 30 heures semaine, ça fait 10, ça fait 20 semaines, tu sais, de décisions à prendre tout au long du projet. C'est quand même un gros engagement. Fait que là, tu vous voyez, je suis même pas encore dans un plan d'architecte, je suis même pas encore dans un choix de matériaux. Tu sais, je suis vraiment là. T'sais, le conseil que j'ai aux gens, c'est de reculer, un, leur vision, deux, leurs valeurs, trois, leurs ressources de temps, leurs ressources d'énergie, construire un projet d'énergie pour choisir, prendre des décisions. T'sais, on prend entre 100 et 1000 décisions à 1000 piastres et plus. Ça, ça change un budget. T'sais, 100 décisions à 1000 piastres, ça fait 100 000 de plus. Prends plus que 100 décisions. Fait que l'énergie pour des décisions, l'énergie pour des recherches de matériaux alternatifs, des solutions alternatives, de l'énergie pour les dérogations si vous voulez faire quelque chose de spécial. Qui ne fait pas dans les lois ou les conventions. Fait que ça aussi, il faut l'évaluer dans ses ressources. C'est quoi mon énergie? Ensuite, mes ressources en argent. C'est quoi la mise de fonds que je suis prêt à mettre aujourd'hui? Puis c'est quoi les mensualités que je suis prêt à payer? Puis aujourd'hui, c'est quoi ma situation financière? Puis si j'ai plus de temps pour faire mon projet, 2, 3, 4, 5 ans, bien dans 5 ans, ça va être quoi ma situation financière? Puis il y a d'autres ressources comme les contacts, puis tout ça. Fait que tu sais, dans ce que je donne comme conseil aux gens qui veulent se lancer dans un projet, un, clarifier sa vision, son rêve, deux, ses valeurs, de quel type d'écologie qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on veut prioriser. Ensuite, ses ressources. Puis, une fois qu'on a défini ses ressources clairement, bien là, il faut mettre une priorité dans tout ça. Je n'ai même pas encore parlé de plan, d'architecte, de matériaux. Hein, soyez conscients. Les conseils, c'est vraiment de bien planifier à une grande échelle
avant de rentrer dans les détails, puis ça nous passionne les détails, puis on les enseigne à Solution Era. Mais ce que je m'aperçois, c'est que si les gens veulent réaliser leur projet avec brio puis vivre leur rêve, il faut qu'ils commencent en haut, puis qu'il y ait une bonne vision, les valeurs alignées, les bonnes ressources, qu'ils connaissent bien leurs ressources, puis qu'ils priorisent. Ça, c'est l'étape numéro 4. C'est-à-dire qu'ils mettent en ordre. OK, mes valeurs, c'est la maison saine et autonome et performante et simplicité, je veux tout. Ça, c'est facile à dire, c'est tout. Mais quand ton budget, ton temps ou ton énergie est limité, lesquels que tu vas mettre en avant en premier? Fait que là-dedans, tu commences à prioriser tes besoins. T'sais. C'est qu'est-ce qui est un besoin que genre je veux absolument ça dans mon projet. Qu'est-ce qui est un désir, je l'aimerais, mais je vais le faire pareil si je ne l'ai pas. Puis qu'est-ce qui est un désir évolutif? Un besoin évolutif, c'est-à-dire que je le veux, mais je n'ai pas besoin de le construire au jour A. Fait que ça nous permet de distinguer, tu sais, dans toutes les choses qu'on veut, dans nos valeurs puis notre vision, dans quel ordre on peut y arriver, puis qu'est-ce qui est un must, qu'est-ce qu'on veut absolument, qu'est-ce que c'est un désir, puis qu'est-ce qui est un besoin évolutif. Fait que besoin évolutif, et ensuite les désirs. Fait que de vraiment pouvoir distinguer ça pour sa vision, son rêve, ses valeurs, pour avoir de la clarté. Fait que, un, la vision, le rêve, nos besoins, nos désirs, tout ça, grossièrement. Deux, nos valeurs, nos valeurs. Trois, nos ressources. Quatre, nos priorités. Puis une fois qu'on a tout ça, bien là, on fait une stratégie pour se rendre à notre vision. Une stratégie qui inclut du temps, si j'en ai, qui inclut de l'argent, du savoir, des contacts. La stratégie, tu sais, souvent, dans le fond, quand on vient là, c'est qu'on s'aperçoit, hey, le rêve de la plupart des gens, c'est d'avoir une maison unifamiliale dans la nature. C'est très champêtre, autonome, mais c'est un des projets les plus durs à faire. Économiquement. Puis j'ai encore une minute puis j'ai fini mon point. Je te sens voir l'heure passer, Paul. Fait qu'il y a l'étape numéro 5, c'est juste d'avoir une stratégie exécutable puis être en plusieurs étapes. Puis, tu sais, le projet le plus dur à faire, c'est une maison unifamiliale à la campagne dans la nature. En autoconstruction, clé en main, c'est très cher. Des fois, genre, c'est beaucoup plus accessible d'aller vers une achat rénovation ou juste rénover ce qu'on a ou d'aller vers la location de quelque chose qui est déjà écologique et ou de le faire en duplex ou partagé. Fait que là, vous voyez, après que j'ai fait l'étape 1, la vision, 2, les valeurs, 3, définir mes ressources, 4, mes priorités, 5, la bonne stratégie pour m'y rendre selon mes ressources, puis mes priorités, puis mes besoins. Après ça, dans le fond, là, je rentrerai dans, OK, quel type de plan, quel type de matériaux, puis tout. Fait que avant de se lancer, bien planifier. Ça serait vraiment ça, mon conseil. Puis c'est ça, la raison pour laquelle je vous explique tout ça, puis je vous parle pas de matériaux écologiques, c'est parce que nous, on l'enseigne, les matériaux écologiques, mais tu me poses la question, qu'est-ce qu'un citoyen a besoin de savoir et faire, c'est quoi les conseils, puis c'est de bien planifier tout ça. Puis après ça, il va pouvoir s'éduquer puis exécuter avec brio. Super, ben merci Frédéric, c'était très, très instructif. J'ai beaucoup de notes, j'ai pris beaucoup de notes, merci Frédéric. Mon troisième panéliste ce soir, Benoît. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Benoît, toi, tu es un citoyen engagé dans la transition et tu as fait tes propres démarches pour te construire un bâtiment écologique. Peux-tu nous partager ton expérience? Oui, avec plaisir. Alors, il n'a pas partagé ce que je voulais partager. On voit une toute petite image. Si tu peux l'agrandir, ça serait parfait. On va faire une prise 2. C'est ce qu'on appelle la joie du virtuel. Ouais. Alors, je pensais que tu allais dire la joie du direct. Voilà, Benoît, c'est partagé. Alors, tabarnouche, ça marchait pendant la pratique. Tu veux le mettre en plein écran? Ouais. Ça devrait aller dans affichage, je crois, Benoît. Comment? J'irai dans affichage à prime abord. Ben, en fait, ça marche. C'est diaporama, démarrer la première diapo, puis là, il ne veut pas le faire. Les joies du direct. Incroyable. Ça marchait pendant la pratique comme au complet. Incroyable. Fais un deuxième essai. Voyez l'image en ce moment de, oui. On voit quand même d'un bien. Décor champêtre, justement, comme
Frédéric en parlait. Oui, là, on voit ton décor champêtre. Mais on le voit pas en plein écran. Non. OK, bon, retour. Cette fois-ci, va être la bonne. Il y a un vieux dicton qui dit « jamais 203 ». Ah, ah, voilà. Alors, c'est plein écran? Tout fonctionne? Ben c'est en mode diapo encore, mais ça va aller. Vas-y, comme ça, Benoît. Mais je veux dire, on voit l'image. On voit l'image. Là, on voit la deuxième diapo en ce moment. La deuxième, celle avec les maisons puis la baie derrière? On voit un petit couple devant une maison. Ah, c'est qu'il y a un décalage, hein, si je ne me trompe pas. Là, je suis revenu à la première diapo. Moi, je vois le... Je vois la baie derrière. On est à la baie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, c'est pas ce qu'on voit à l'écran. On voit la deuxième diapo en ce moment. T'as combien d'écran, mon cher? J'ai l'impression que t'as plus qu'un écran et tu ne partages pas le bon. Là, ça, est-ce que ça bouge pour vous? Non. Négatif. Incroyable. Ça vaut la tête. Bon, retour. Là, j'ai enlevé le partage d'écran. Oui. Hey, je m'excuse à tous les auditeurs qui sont là et qui écoutent ça. Ils disent « Tabarnouche, ça m'arrive à moi, mais ça arrive aussi aux pros. Moi, une de mes expertises, c'est d'animer les temps morts. Si vous voulez, je peux parler de maison écologique jusqu'à temps que la diapo parte, si vous voulez. Ça me ferait plaisir. Il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps de dire. On a le partage d'écran, là, fait que je vais laisser Benoît y aller. Là, on a le partage d'écran. Oui. Si je mets cette diapo-là, on voit... Exact. Là, on est à la baie. Oui. On est à la baie. Il reste juste à le mettre en plein écran. Ah ben, est-ce que là, on est... C'est-tu là la vraie fois? Non, on ne voit pas le plein écran. Non, mais tu peux y aller comme ça, Benoît. Vas-y, en mode diapo. Est-ce que vous voyez quand je change? Ben là, tu n'as pas changé encore. Il faudrait que tu changes. Clique sur la deuxième diapo, puis il va changer. Comme là, je suis à la deuxième diapo. Ouais, quand tu le mets en mode plein écran, il ne fonctionne pas, malheureusement. On ne voit pas du tout ce qui se passe sur ton plein écran. Zoom, il y a comme des layers, des settings spécifiques, là, des fois avec les partages d'écran. Fait que t'es mieux de juste annuler la présentation puis le montrer ton écran sans le mettre en plein écran. Oui, parce qu'on voyait le changement de diapo au premier abord. Fait que là, on revient puis on voit. Oui, ça ouais, fonctionne. On va changer. Yes. Oui, bon, c'est bon. On va y aller avec ça. On se trouve à la baie. Moi, mon projet, il a démarré quand je suis allé vivre une semaine sur la ferme des Vallons de Chambreul, rattaché à un projet qui s'appelle le GREB. Dans la ville de la baie. En fait, ce n'est pas tout à fait dans la ville de la baie, comme on le voit. C'est un éco-hameau. Puis j'étais bien impressionné. J'avais 21 ans à l'époque, en 2001. Et puis, j'arrive là, puis là, on me présente les bâtiments sur la ferme, puis les maisons de style un peu suisse. Ils sont isolés en ballots de paille. Ça m'a marqué, puis j'ai dit, moi, je veux une maison écologique en ballots de paille aussi. Et là, de retour à Montréal, quelques années plus tard, en 2010, je m'achète une maison. Dans une SIC, alors on voit la maison ici. Voyez le curseur quand je le bouge? Oui. Alors, ça, c'est un article qui est paru dans la presse en 2014 à propos du projet qu'on voulait... Je commence avec cette maison-là en 2010. Je me dis, bon, moi, je veux une maison écologique, idéalement en ballot de paille. Je commence à faire des recherches. Je me rends compte que, bon, à Montréal, ça va être un peu difficile de faire une maison en ballot de paille. Fait que je tombe sur un documentaire qui était présenté au cégep où j'enseigne, le collège de Rosemont. Et puis, ça s'appelle « Chercher le courant ». J'imagine que vous êtes plusieurs dans le panel à avoir vu ou avoir entendu parler de ce film-là. Peut-être à la maison aussi, vous en avez entendu parler. C'est un film extraordinaire qui montre les ressources énergétiques au Québec puis certaines décisions un peu critiquables d'Hydro-Québec puis toutes les autres façons qu'on pourrait avoir, entre autres, d'économiser de l'énergie ou de produire de l'énergie. Ça m'a beaucoup marqué puis ça m'a inspiré. J'ai dit, OK, ça, c'est vraiment important. Je fonce dans un projet d'habitation écologique. J'ai commencé à aller assister aux ateliers qui étaient offerts à la foire Écosphère, qui a lieu deux fois par année.
Et finalement, je suis tombé sur l'organisme Écohabitation, une mine d'or en renseignement avec des guides de construction, des guides sur les matériaux, avec des formations sur la construction, la rénovation, l'énergie. Vraiment, si vous voulez lancer un projet, les formations d'écohabitation sont données pour vraiment pas grand-chose. Les formateurs sont très généreux. J'ai beaucoup aimé mon expérience avec Écohabitation. Puis, à ma grande surprise, dans le premier atelier sur la construction écologique, ce qu'ils nous apprenaient, c'est trois principes fondamentaux, une hiérarchie en quelque sorte. C'est quoi un projet écologique? C'est quoi qui a le plus d'impact? Si on veut être écologique, Frédéric avait une façon de catégoriser. C'est vrai, il y a tout l'aspect plus santé, il y a l'aspect plus, par exemple, réduire les gaz à effet de serre pour les changements climatiques. Moi, je voulais diminuer mon empreinte globale. Je voulais avoir un projet qui soit inspirant, puis qui me dit, si tout le monde embarque dans un projet comme ça, ben on va réduire draconiennement les gaz à effet de serre et on va réussir à stabiliser le climat. Fait que je me disais, je veux faire ce projet-là, j'espère en inspirer d'autres, puis que l'habitation écologique se répande avec, comme un de mes focus importants, réduire les gaz à effet de serre. Fait que s'il nous apprend dans la première formation, le formateur Emmanuel Cosgrove à Écohabitation, c'est tu ne peux pas avoir une maison super écologique si tu habites loin de tous les services et de ton travail, puis il faut que tu parcours 30 km pour te rendre le matin à ton travail. Fait qu'il faut que ce soit un mode de vie écologique. Ça ne peut pas juste être l'habitation. Fait que le premier critère, c'était près du travail et des services. Ma maison était dans Hantic, je travaille au collège de Rosemont. Mon épouse Ariane travaillait aussi à une distance qui peut se parcourir en vélo. Alors, pour ce critère-là, je me disais comme « Ah, c'est pas pire, puis il y a la rue Fleury à côté, on peut magasiner là, c'est bon. » Le deuxième critère, que ce soit petit et bien conçu. Puis là, je me réfère au petit carré à côté. À Écohabitation, on nous présentait ce graphique-là, l'évolution de la surface des maisons. Dans les années 1950, c'était 1000 pieds carrés, puis il y avait des familles souvent de 4 enfants. 1970, la famille a réduit, mais la taille, elle augmente à 1500 pieds carrés pour la famille, qui est plus petite. Puis dans les années 2000, on est rendu à 2200 pieds carrés pour des familles avec un enfant ou deux enfants. Alors ça frappe aussi. Moi, la maison qu'on avait achetée, était sur deux étages avec le sous-sol où on peut faire des chambres, et ça totalisait environ 1500 pieds carrés. Ça me ramenait dans les années 70. Bon, j'aime bien ça, les années 70, là, mais je me disais, moi, il y a peut-être mieux à faire que ça. Et finalement, troisième chose que j'ai apprise dans les formations, c'est la possibilité de se chauffer à l'aide du solaire passif, qu'on va y revenir dans quelques instants. Fait que on s'est lancé dans un projet de triplex. On voulait transformer la maison, qui était une unifamiliale. On voulait densifier le quartier, faire en sorte qu'il y ait plus de familles qui habitent là. Plus il y a de familles qui habitent proches, plus il y a de gens qui habitent proches, bien plus il risque d'y avoir de services proches, plus on va pouvoir parcourir à pied ou en vélo. Les distances. Alors, j'ai dit, OK, on va passer d'une maison unifamiliale puis on va tripler le nombre d'unités. Fait que ça demande d'habiter dans plus petit. Fait qu'ici, on a environ 1000 pieds carrés pour un étage avec la possibilité de mettre 3 chambres en tout. Fait que là, ça règle le problème du plus petit, ça règle le problème de l'emplacement. Puis là, finalement, le solaire passif. Moi, je connaissais le solaire photovoltaïque où il y a des panneaux qui font l'énergie. Mais les Allemands ont développé un concept, Maxime en a parlé tantôt, le concept de la certification Passive House. Puis qu'est-ce que ça dit? C'est que le soleil, l'été, il est haut dans le ciel. Puis ses rayons vont être bloqués si on met un petit brise-soleil ici ou un arbre, par exemple, qui va faire de l'ombrage. Fait que le soleil ne rentre pas dans la maison l'été, mais l'hiver, le soleil est plus bas dans le ciel. À ce moment-là, il plonge en profondeur dans la maison. Puis si on met un bon choix, si on construit une enveloppe assez performante, on va pouvoir emprisonner la chaleur. Ça, c'est la vue de côté du triplex. Donc, on voit ici le soleil l'hiver, puis le soleil l'été qu'on bloquait à l'aide de brise-soleil. Les murs, on comptait isolés en... Pour que la chaleur reste emprisonnée, ça prend une forte isolation, puis ça prend aussi une forte étanchéité. On avait prévu des murs à double ossature, donc deux rangées de 2x4 qui sont un peu séparées, fait que ça fait que ça limite les ponts thermiques. On avait prévu isoler avec la cellulose. Ce n'était pas le matériau parfait, mais on avait comme à cette époque-là, quand on planifiait le projet, ben, ça nous apparaissait un bon compromis si on tient compte des différentes caractéristiques environnementales. Et du coup aussi, de la réalité
du coup. Les fenêtres sont fondamentales pour avoir une enveloppe performante. Au sud, on a prévu des grandes fenêtres qui vont permettre de laisser le soleil rentrer. Et au nord, les fenêtres, comme elles reçoivent très peu de soleil, voire pas du tout l'hiver, bon, plus les fenêtres sont grandes, plus ça laisse passer de la chaleur. Fait qu'on veut s'en servir pour l'éclairage, mais on ne veut pas perdre de chaleur par les fenêtres. Fait qu'on les fait le plus petites possible pour que ce soit agréable comme environnement de vie, mais pour ne pas perdre trop de chaleur. Les fenêtres à l'arrière, Emmanuel Crossgrove nous parlait de son expérience à lui, de là où il habite, puis il a fait les fenêtres, je pense, un peu trop grandes. Fait que ça fait que souvent, l'hiver, il surchauffe. Il atteint des fois des températures de 25, 26. En fait, les risques sont plus grands au printemps puis à l'automne, quand le soleil n'est pas encore aussi bas dans le ciel. Bref. Les risques sont plus grands au printemps puis à l'automne. Fait qu'il y a vraiment un calcul à faire assez précis pour ne pas avoir des trop grandes fenêtres puis pas avoir de problème de surchauffe. On avait prévu des aspects au niveau de la végétation. Sur le toit, on prévoyait une terrasse en bois puis un toit pâle. La ville, souvent par la législation, ne veut pas qu'on voit la construction à partir de la rue. Fait qu'il faut reculer. Idéalement, nous, on aurait voulu une terrasse qui fasse la surface du toit au complet, mais c'est prévu de la mettre le plus grand possible. Et on a consulté Nature Vivante, une entreprise qui design des espaces végétalisés. Ce sont des espèces locales qui sont prévues dans le projet, qui ne demandent pas d'arrosage, avec beaucoup d'arbres fruitiers et de potagers. Frédéric, il nommait tantôt l'importance de limiter la consommation de produits alimentaires, puis que ça avait un impact, les produits alimentaires. Fait que le plus tu es capable d'en faire pousser sur ton terrain, bien, le plus tu peux te nourrir directement avec ta propre nourriture. Et on avait prévu les différents arbustes suivants, vivaces, les arbres, tous des espèces locales. Puis on a appris à notre grande surprise qu'il y avait un kiwi naturel qui poussait au Québec, qui est un kiwi indigène au Québec. On n'en entend pas beaucoup parler. Il est plus petit que le kiwi auquel on est habitué. Alors, voilà. Alors, ça, c'est le projet initialement prévu dans Hansik. Merci Benoît. Merci pour ce partage d'une tranche de vie. Et Benoît, j'ai oublié de le mentionner, mais Benoît, il est professeur-chercheur au Centre d'études sur la responsabilité sociale et l'éco-citoyenneté associé au Collège de Rosemont. Voilà. Tu le dis mieux que moi. Et finalement, notre quatrième panéliste, Mathieu Dussault. Mathieu est détenteur d'un baccalauréat en géographie environnementale et d'une maîtrise en sciences de l'environnement. Il travaille au Centre national des urgences environnementales chez Environnement et changement climatique Canada. Intéressé par la transition écologique, la lutte au changement climatique et l'implication citoyenne, il est membre fondateur de la coopérative de solidarité Celsius. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Paul-André. Mathieu, tu es parmi nous. J'espère que tu as un peu de temps pour nous parler de ton projet. Ben oui. Puis j'aimerais remercier les autres panélistes. Là. C'est fort intéressant et enrichissant. Puis on essaie de faire de même avec le projet Celsius là, que je suis ici pour vous parler. Donc, je vais partager mon écran. Espérant là, que ça se passe bien. Ah bon, ben excellent. Puis là, je vais y aller en plein écran, ce qui est un moment critique. Est-ce que vous voyez? Très bien. Parfait. Donc, ben oui, mais merci de l'invitation. Merci à Paul-André et à Laval en transition pour l'invitation. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir là, que je suis ici pour parler du projet Celsius. Bon, Projet Celsius, c'est un projet, dans le fond, qui regroupe des citoyens qui se sont mis ensemble, qui ont mené à la création d'une coopérative, la coopérative de solidarité Celsius, qui voulaient prendre action, faire un changement dans leur milieu, lutter contre les changements climatiques, agir face à l'adaptation au changement climatique, puis voir comment, en se mettant ensemble, on peut avoir des quartiers, des milieux de vie
qui sont plus verts, plus résilients. Donc, la mission... Je ne sais pas si je suis capable d'enlever ici. Je vous vois, mais ça cache un peu. Et voilà. Donc, ben, la mission de la coopérative, là, c'est... Nous, on veut vraiment miser sur l'action citoyenne pour agir, puis on veut faire preuve d'audace et de créativité face à l'urgence climatique. C'est quelque chose qui nous anime. Mais aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir un projet rassembleur de transition énergétique puis de développement durable. Puis, ultimement, qu'est-ce qu'on veut? C'est de développer des milieux qui sont plus verts, plus équitables, plus prospères pour les citoyens. Puis nous, notre échelle d'action, là, c'est pas le quartier, c'est le pâté de maison, vous allez voir. Fait que c'est la mise en commun des énergies, des efforts, des expertises des voisins, finalement. Fait que la vision, qu'est-ce qu'on veut faire à la Coop Celsius, c'est d'ici 2030, concevoir puis déployer qu'est-ce qu'on appelle la géothermie collective de ruelles. Alors, nous autres, on dit de la géothermie de ruelles dans les quartiers centraux de Montréal, mais aussi ailleurs au Québec, parce que c'est un concept qui est exportable. Puis, on veut miser sur la climatisation qui est offerte par la géothermie pour climatiser les maisons, puis lutter contre le réchauffement climatique, puis favoriser l'adaptation au changement climatique. Puis, en faisant le projet de géothermie, bien là, c'est une occasion pour verdir les ruelles, pour redéfinir notre milieu de vie, comme les voisins en ont envie. Puis de cette façon-là, bien, on croit qu'on peut accroître notre résilience, la résilience de nos collectivités. Je pense que je vais partir de ma minuterie. Quoi que vous allez me dire, hein? De plus, je suis pas mal bon. Fait que Celsius, en bref, c'est un projet qui est inédit en Amérique du Nord. Là, on a fait nos recherches, puis ça, il y en a pas ailleurs. Il y a des projets qui sont similaires là, en Scandinavie, en Europe. Fait que, qu'est-ce qu'on veut faire avec la géothermie collective? Là, c'est d'utiliser là, cette technologie-là qui est éprouvée, qui n'est pas invasive, qui est sous le sol, pour chauffer en hiver puis climatiser en été les logements qui sont connectés. Ça amène plusieurs gains, notamment l'efficacité énergétique. Ça amène aussi la climatisation l'été. Fait que ça, c'est notre objectif d'adaptation au changement climatique. Puis aussi, verdir les ruelles, revitaliser le milieu. Ça, c'est notre objectif de travailler ensemble puis de redéfinir nos milieux. Brièvement, je crois que la majorité des gens connaissent la géothermie, savent c'est quoi la géothermie. Il y a quand même un assez long texte. Finalement, la géothermie, c'est qu'on creuse des puits de chaleur dans le sol pour faire de l'échange de température, d'échange d'énergie. Donc, dans ces puits-là, il y a un liquide calorie porteur qui va cheminer jusqu'à une pompe à chaleur qui est à l'intérieur des domiciles. Puis, cette énergie-là, donc finalement, en hiver, on va chercher la chaleur du sol pour réchauffer nos maisons. Dans le fond, c'est la variation de température. Et l'été, bien, on va chercher la fraîcheur du sol pour climatiser nos maisons. Donc, vous pouvez imaginer que ça amène plusieurs avantages. C'est aussi très efficace énergétiquement. Là, si ma mémoire est exacte, on parle avec la géothermie, chaque kilowatt investi va vous donner 3 kilowatts en retour. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le projet, là, d'essayer de réduire l'efficacité énergétique finalement. Parce que qu'est-ce qui est proposé ici avec la géothermie de ruelle, c'est que la coop de solidarité Celsius, on le propose à coût nul. Donc, c'est ça le projet qu'on met en place. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire à coût nul? C'est que les membres de la coopérative là, dans notre projet vont payer grosso modo le même montant mensuel ou annuel en énergie. Donc, par exemple, si vous payez 100 $ à Hydro-Québec, bien, avec Celsius, vous allez payer 25 $ à Celsius, mais 75 $ à Hydro-Québec. Donc, c'est de cette façon-là qu'on voit que le projet se fait à coût nul. Bien sûr, ça se fait en partenariat avec d'autres organisations, mais j'en parle plus loin. Donc, pourquoi? Bien, juste en résumé, là, nous autres,
ce projet-là, il est porteur puis il nous excite beaucoup parce que on vise à remplacer le chauffage au mazout qui est puis le gaz naturel. Donc, au fur et à mesure qu'on déploie la géothermie, ben on va réduire la consommation d'hydrocarbures. Puis aussi, ben c'est un système qui est hautement efficace, fait que efficacité énergétique, réduction de gaz à effet de serre, aussi réduction des coûts de chauffage. Également, ben le bonus finalement, c'est que la géothermie, ben c'est un système flexible qui permet la climatisation. Puis ça répond à un besoin qui est très criant, surtout dans les quartiers centraux et urbanisés de Montréal ou de Laval, où c'est qu'on parle beaucoup d'îlots de chaleur. On parle de lors des canicules d'augmentation de la mortalité dans certains cas. Donc c'est un problème qui est sérieux et on trouve que pour le patrimoine urbain bâti là qui est déjà existant, il y a pas beaucoup de solutions. Puis ça c'en est une encore une fois à coup d'œil. Puis là, à partir de là, ben une fois qu'on avance dans le projet, ben c'est l'occasion de repenser la disposition des ruelles, améliorer les attributs du quartier, que ça soit accessible aux résidents. Et finalement, un autre élément qui est très important pour nous, c'est développer le milieu social, avoir un sentiment d'appartenance par un projet qui est profitable pour la communauté puis qui a un impact sur son milieu. Parce que là, on parle de géothermie, mais ça pourrait être éventuellement d'autres projets qui rencontrent les mêmes objectifs. Donc, ce projet-là commence à vu jour, c'est en 2016, le concept a vu jour, puis c'est à travers le collectif Solon que ça a pris forme. Et puis, Solon, eux autres, ont cru au projet, puis ont essayé de recruter trois ruelles dans le quartier Rosemont de la Petite-Patrie, puis se sont adressés à des ruelles vertes, là, c'est un concept de l'arrondissement. Puis, il y a trois ruelles qui ont été sélectionnées. Et depuis ce temps-là, on a créé des membres, mais on a créé une coopérative, puis on a 20 membres. Mais j'en reparle un peu plus loin. Juste un visuel sur qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Nous, ce qu'on vit, c'est des micro-réseaux de chaleur. Au début, on avait plutôt l'idée de faire quelque chose de, tu sais, un gros puits de géothermie pour tout le pâté de maison. Puis là, finalement, à force d'avancer et de parler aux experts, on se rend compte que c'est des micro-réseaux, c'est la meilleure solution. Donc, vous pouvez voir que où c'est qu'il y a une maison colorée, ben là, on a un micro-réseau qui est alimenté par les puits en rouge. Et pour chaque micro-réseau, il y a une pompe à chaleur dans un des domiciles qui est partagé. Donc, le projet Celsius en trois phases. Présentement, on est dans la phase vitrine qui est actuellement financée. On est en train de mettre en place un micro-réseau qui alimente deux immeubles et 8 logements. Ensuite, il va y avoir la phase projet pilote on est encore en recherche de financement pour ça. Et on parle de 25 micro-réseaux pour 50 immeubles sur 3 ruelles. Et éventuellement, les autres phases, ben, c'est un déploiement graduel à plus grande échelle par phase de 50 logements. Quelques dates clés, là, 2016, c'était le concept initial. 2017, c'était l'étude de faisabilité. 18-19, puis ça, c'était le plan d'affaires, puis l'optimisation des techniques. Là, en 2019, c'est là que la coopérative a vu le jour. Depuis ce temps-là, il y a eu des efforts de financement qui ont abouti pour le projet vitrine. Donc, la vitrine va être en service en avril 2021. Donc, c'est très bientôt, c'est très excitant. Puis, la construction du pilote, on vise 2022-2023. Donc, Celsius est très optimiste pour l'avenir. Là, c'est un projet qui nous allume. Ça m'a permis de mieux connaître, mais pas juste moi, mais mieux connaître mes voisins, mon quartier, sa mère, les différentes ruelles en relation. C'est très excitant, puis on fait pas juste parler de géothermie, on parle de partage d'équipements, on parle de partage de tondeuses, on parle dans le fond, tout ce qui anime les gens selon les besoins. Donc, on veut continuer à travailler avec nos membres pour développer Celsius, puis mettre en commun nos aspirations, puis nos efforts. En commun pour faire une différence. Faire la promotion d'une solution locale, écologique et durable qui vise la lutte au changement climatique,
l'adaptation au changement climatique et l'efficacité énergétique. Toujours en cours de financement, on est très excité par la vitrine qui va être en fonction en avril. Puis on continue nos discussions avec plusieurs partenaires. C'est un moment très effervescent pour la coopérative, là, la période dans laquelle on est. J'aimerais remercier nos partenaires puis nos contributeurs, donc Collectif Solon, qui sont instigateurs du projet, puis aussi contribuent financièrement à l'effort. Le chantier d'économie sociale et son programme de préparation à l'investissement, le PPI, qui est la plus grosse partie de la subvention. La Fondation familiale Trottier, également, c'est notre deuxième contributeur. PME Montréal, Coop Carbone et député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, nous a offert son soutien ainsi qu'un soutien financier. Donc, vous pouvez voir le site web via Collectif Solon de Celsius. Prenez note, si vous faites Solon Celsius, vous allez pouvoir... Vous allez voir dans Google, vous allez assurément trouver le site. Puis allez, soyez curieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, ça fait le tour de la présentation pour moi. Et je pense que j'ai respecté les 10 minutes. Bravo. Bravo, Mathieu. Bien, vous avez pas mal tous respecté votre temps. Je vous en remercie d'ailleurs. Félicitations et merci pour vos présentations. C'était vraiment très, très inspirant. J'aurais des questions, puis je commencerai peut-être par toi, Mathieu, compte tenu qu'on vient de terminer avec toi. C'est vraiment très, très inspirant, une très belle initiative et collaboration citoyenne. C'est vraiment génial de voir ça. Puis je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin d'en voir de plus en plus. J'ai cru comprendre qu'il y avait un partage des bénéfices, c'est-à-dire que vous payez la redevance Hydro-Québec, 75 $, puis vous gardez 25 $. Donc, ce 25 $-là, c'est pour quoi? Pour créer un fonds. Je vois comme si vous créez finalement une richesse collective que vous allez après utiliser pour réinvestir dans vos projets, dans votre communauté. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, la coopérative Celsius va donner un service, donne un service. Donc, avec les économies, dans le fond, les membres vont payer moins Hydro-Québec parce qu'ils vont utiliser moins d'électricité, mais l'utilisation de la géothermie a un coût, puis ça, c'est le service qui est donné. Fait que dans le fond, la partie d'économie d'énergie retourne à Celsius. Ça nous permet de n'assurer des opérations. C'est la coopérative qui va s'occuper s'il y a des bris, etc. Donc, c'est un service qui est clé en main. Mais dans notre plan d'affaires, il y a un pourcentage de l'argent qui est disponible pour être réinvesti dans d'autres phases de la géothermie. Donc c'est ça. C'est ça le plan. Et ça, c'est un élément que moi, je trouve très intéressant que pour une micro-collectivité, un porté de maison ou un quartier, de se doter d'un appareil économique. Parce que les membres de la coopérative, c'est leur coopérative, là. C'est pas... Donc, ils peuvent décider un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis c'est quoi les orientations. Et moi, je trouve ça intéressant que des pâtés de maison peuvent se doter d'un outil économique qui peut être réinvesti. Là, dans le plan d'affaires, le but, c'est de faire d'autres vagues, tu sais, de projets pilotes de 50 par la suite. Mais ça peut être d'autres choses également. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que souvent, on a beaucoup d'idées. Mais on ne sait pas comment le faire. Donc là, si on se met ensemble, on met nos énergies ensemble, mais souvent, il y a une limitation économique. Mais là, peut-être qu'il y a des initiatives comme la coopérative Celsius qui dégagent une partie des profits qui peuvent être investis. Bien là, tout d'un coup, c'est un monde de possibilités qui s'ouvre. Vraiment très beau. Très beau de voir ça. Félicitations. Puis en souhaitant que ça puisse faire des petits... Mon autre question, peut-être, avant de retourner aux autres panélistes, est-ce que c'est exportable à Laval, ce beau projet-là? Ben oui, moi, je crois que oui. Je pense que la clé, c'est d'avoir une certaine densité d'habitation. Donc, c'est pas obligatoire qu'on n'ait pas besoin d'avoir une ruelle nécessairement. Puis d'ailleurs, là, en travaillant avec la vitrine, on se rend compte que au début, on voulait forer dans les ruelles, mais finalement, on réalise que c'est plus efficace, puis plus ça amène plus de flexibilité de forer
c'est entre les deux terrains ou sur le terrain. De toute manière, c'est pas invasif, c'est pas des, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Puis c'est ça qui va se passer avec la vitrine. Les puits vont être sur les terrains. Fait que dans le fond, c'est un regroupement d'un voisinage qui décide de se mettre ensemble pour faire ça. Ben oui, c'est possible. OK. Merci Mathieu. Vraiment très inspirant. J'avais une question pour chacun de vous pour lancer justement la partie un peu plus discussion. Je m'adresse à tous les panélistes. Je vais commencer peut-être par Maxime. Puis je pose tous la même question. Quelle serait la meilleure action à faire pour améliorer la performance énergétique de ma maison? Si vous avez un choix là, à me conseiller, je veux améliorer ma maison au niveau énergétique, je veux qu'elle consomme moins ou qu'elle ait un moindre impact sur mon environnement, sur les GES, par exemple. Quelle action vous me conseillez de faire? Maxime, qu'est-ce que tu me dirais? Premièrement, de faire des évaluations de la situation. Frédéric en a parlé beaucoup, mais tout projet, dans le fond, devrait commencer par une réflexion puis une évaluation, dans le fond, de la situation. Donc, on parle vraiment de dire faire soit un test d'infiltrométrie, voir où est-ce que l'air rentre, parce que c'est un des problèmes majeurs, surtout dans les vieilles constructions. C'est des passoires, tu chauffes quasiment à l'extérieur. Donc, ça commence par évaluer dans le fond l'état de tes fenêtres, justement l'étanchéité avec des tests d'infiltrométrie et commencer à réparer dans le fond toutes ces petites gaps-là, ces petits trous-là. Tes fenêtres peuvent être possiblement encore bonnes, mais les scellants sont plus bons. Donc, tu sais, selon les budgets, selon l'intensité des projets ou de rénovation qu'on entrevoit, c'est y aller justement. Écohabitation avait justement fait un très, très bon portrait des types de travaux à réaliser versus le coût. Justement, un peu dans cette idée-là, commencer à regarder ces éléments-là. Après, bien, effectivement, c'est où est-ce qu'on perd le plus d'énergie? Selon le bâtiment, selon le type de construction, bien, ça va être le toit, ça va être les fenêtres. Donc là, il faut que tu évalues lesquels éléments que tu vas devoir changer ou rénover ou améliorer. Donc, c'est vraiment dans la première étape, encore et toujours, faire la planification, faire des analyses. Et après, on va pouvoir déterminer quel geste qui est le plus performant. Parce que je veux pas, si on décide de dire « je veux améliorer l'isolation de ma maison », selon la situation de la maison, ça peut être très problématique, dans le sens que ça peut devenir un grand défi parce que veut pas, c'est mettre de l'isolant supplémentaire, c'est-à-dire ça peut signifier perdre de l'espace intérieur. Ça peut que on puisse décider de dire on va mettre de l'isolant à l'extérieur, mais ça se peut que la réglementation ne le permette pas. Donc, mettre de l'isolant à l'intérieur, ça veut dire ouvrir tous les murs, là. C'est-à-dire la cuisine qui est adossée au mur, tu la débarques et après, tu ne peux plus la remettre à sa place parce que tu viens d'augmenter ton mur. Donc, c'est vraiment des travaux intensifs. Donc, c'est vraiment de commencer à planifier, commencer à regarder c'est quoi déjà nos budgets, nos visions, c'est où, jusqu'où on veut aller, mais test. Tout revient à test. Merci, Maxime. J'ai noté test d'infiltrométrie. Puis moi, je relancerai, je vais essayer d'ouvrir ma caméra pour voir si ça fonctionne. Attends un peu pour que je donne une belle réponse avec ma caméra. Ça fait juste. Je noterai qu'un des. Pas de caméra. J'ai entendu dire les termes et les endroits où regarder, Maxime, mais je n'ai pas entendu parler de RénoClimat. C'est un programme du gouvernement. RénoVert ou RénoClimat, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. RénoClimat, c'est des gens qui ont une mission du gouvernement du Québec, qui sont subventionnés. Il y a même de l'argent qu'ils te donnent pour tes rénovations. Si tu exécutes tes rénovations, ils viennent chez toi puis ils font toute l'analyse. Puis ils te disent en ordre de priorité ce que tu dois avancer. Puis ils te donnent de l'argent, puis des rabais, puis des crédits, puis des choses comme ça quand tu fais des choses qui sont dites. Puis j'ai eu la chance de le tester moi-même pour une de mes propres habitations. Puis tu sais, on faisait un projet avec...
d'autres de nos professeurs, c'est-à-dire des experts de la rénovation écologique au Québec, dont Benoît Lavigueur, Nicolas Giroir. Puis on a fait venir RénoClimat, même si on était les experts, puis on a écouté ce qu'ils nous ont dit, puis on était comme, ils nous ont dit exactement les bonnes choses à faire dans le bon ordre. T'sais, ils sont venus faire un test d'infiltrométrie, ils nous ont parlé dans notre circonstance, prioriser les fenêtres, l'étanchéité autour des fenêtres. Ça ne valait pas la peine pour l'isolant, mais on pouvait optimiser, mettre une thermopompe et une donner de l'argent. C'est que, bref, pour les gens, RénoClimat, je vous recommande fortement, c'est la première porte où sonner pour faire une rénovation puis rendre sa maison plus écologique. Puis le gouvernement paye une partie, c'est subventionné, il donne de l'argent pour vos rénovations puis tout. Fait que ça serait vraiment le premier endroit. Les conseils sont excellents. Fait que voilà, c'était pour moi là-dessus. De plus, juste pour enchérir rapidement, les tests d'infiltrométrie sont payés par RénoClimat si vous avez des gains énergétiques par vos travaux. Ah, OK. Donc, il y a un remboursement si j'exécute des travaux qui me disent de faire et j'ai un gain suite aux travaux que je fais. Oui, tout à fait. Excellent. Tout à fait. Et le test coûte environ 150 $, donc c'est pas non plus... prend à peu près une demi-heure. Donc, c'est vraiment... ça vaut la peine. Excellent. Merci, Maxime. Pour rebondir là-dessus, j'avais fait sur la maison initiale, on a fait le test d'infiltrométrie, puis ça donnait l'équivalent d'un trou de 1,2 mètre carré. Fait que c'est l'équivalent d'une fenêtre là, ouverte sur le monde qui laisse passer ta chaleur. Tu sais. Wow. Été comme hiver. Jour et nuit, été comme hiver. Ouvert sur le monde. Fait que, tu sais, la première priorité, c'est l'étanchéité, puis ça se passe beaucoup autour des fenêtres, puis c'est les fenêtres. Parce que, tu sais, les fenêtres, je rappelle, les fenêtres, leur objectif, c'est de laisser passer la lumière. La lumière, c'est de l'énergie. Le but d'une fenêtre, c'est de laisser passer l'énergie. Fait qu'on essaie de la rendre isolante, qui est le contraire. L'isolation, c'est de ne pas laisser passer l'énergie. Fait que, tu sais, commencer avec le point faible, c'est les fenêtres et l'étanchéité autour. C'est vraiment le premier focus. Bien, je dirais, pour revenir, faire du pouce sur ce que tu as dit dans ta présentation, questionner les besoins, puis c'est mon côté psychologue, là, c'est ma formation. Questionner les besoins d'abord, je pense que ça vient peut-être avant isoler. Bien, isoler, c'est toujours important. Étanchéiser, c'est toujours important, mais moi, dans ma réflexion d'habitation, j'en suis venu à dire comme bon, ben, on voulait avoir une grosse famille, on voulait avoir un lieu pour stocker tous les enfants, mais finalement, dans notre histoire de vie, finalement, on n'a pas eu d'enfants. Puis là, ben, d'avoir 1500 pieds carrés à deux, c'est trop grand au Québec. Et on vit avec l'idée des grandeurs, tu sais, mais tu vas vivre un peu en Europe, puis vivre dans des 1,5, puis dans des trucs vraiment petits. Fait que là, ça m'a questionné. Puis là, ben, finalement, on a abouti dans Rosemont, la petite patrie, avec un 500 pieds carrés. Puis c'est un peu le concept de mini-maison, tu sais, d'apprendre à vivre dans plus petit, mais de sortir dehors, d'aller explorer. On a la bibliothèque Marc Favreau à côté, puis d'explorer le monde qui est autour. Puis ta maison, c'est comme un camp de base pour aller explorer le monde, tu sais. Fait que plus c'est petit, moins tu vas perdre de chaleur, moins ça va coûter cher en énergie, puis meilleur est ton impact. Tu sais. Belle réflexion, Benoît, merci. Mathieu, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Non, mais je voulais juste mentionner que... C'est, en effet, il y a une hiérarchie, puis lorsqu'on avait eu la discussion préparatoire, on avait eu un peu discuté que exemple d'installer la géothermie, c'est probablement pas la première priorité. Dans une optique, de faire une revue complète de son habitation. Mais encore une fois, nous autres, notre perspective, c'est que c'est... T'sais, on adresse un problème qui est très particulier, qui est très spécifique, principalement relié là, à l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est ça. En tout cas, je voulais juste renchérir que je trouve que c'est très pertinent qu'est-ce que vous venez de dire. C'est ça. C'est pour ça que j'achète la tête avec frénésie. mais le projet, comme chercheur, je travaille avec Solon aussi. Fait que là, Mathieu, quand il parle de Solon, ça me parle. T'sais. Mais t'sais, c'est plus que ça en même temps. Le projet, c'est un projet collectif. T'sais. Fait que c'est de rejoindre les citoyens ensemble, d'apprendre à créer des liens, d'apprendre à créer de la résilience. Fait que ça touche pas juste à l'énergie, le projet dont tu parles. Non, exactement. Puis c'est pas un prétexte. C'est comme le cœur. C'est comme le cœur qui permet après ça d'avoir d'autres discussions puis tu sais, je pourrais pas vous énumérer là, toutes les
tous les sujets qui ont été abordés, que ce soit entre voisins ou même à travers la coop, puis les idées qu'on a eues aussi pour le futur, puis de faire des liens entre les organisations. T'sais, moi, je serais très heureux là, que la Valeur en Transition nous invite, puis nous, d'avoir travaillé avec Solon, puis d'apprendre de Solon, qui, eux, travaillent avec d'autres mondes dans différents arrondissements. Mais là, on se rend compte que rapidement, on crée un réseau. T'sais, puis t'sais, moi, avant d'en rentrer dans cette aventure en 2018, ben, j'étais un citoyen qui était motivé, qui voulait faire quelque chose, mais je savais pas trop comment. T'sais, oui, je faisais mon jardin, puis t'sais, j'essaie d'améliorer ma maison. Puis je pense que qu'est-ce que moi, ça m'a apporté, mais je pense que ce que ça apporte à nos membres, que ça soit Solon ou tout ce réseau-là, c'est de pouvoir œuvrer, c'est de se mettre ensemble puis d'avoir la possibilité de faire des choses qu'on n'avait jamais cru pouvoir faire. Puis c'est très riche d'avoir accès à tant de gens qui ont des idées géniales. T'sais. Ou mais des fois, c'est la personne qui a l'idée géniale, mais c'est le voisin à côté qui a la solution pour le faire. Puis là, les choses se passent. Puis pour moi, ben c'est ça aussi de la qualité de vie. T'sais. Puis parce que quand les gens ils s'investissent dans leur milieu, ben souvent c'est plus vert, puis c'est plus sain, puis c'est plus agréable parce qu'on le fait pour nous. Puis là, c'est là qu'il y a des changements réels à plus grande échelle qui se font. Fait qu'on commence petit, puis là, finalement, on se rend compte que ça fait des petits. T'sais? Fait que c'est très. C'est ça. C'est encore une fois par étapes. C'est une autre perspective, nous, mais c'est par étapes. C'est là qu'on se rend compte que la communauté nous apporte une richesse qu'on n'a pas si on est tout seul dans notre petit logement. J'aimerais rebondir là-dessus avec toi, Maxime, parce que dans ton projet à Sainte-Rose, tu as justement réuni des gens autour de toi pour t'aider à réfléchir au projet global. J'ai su que dans ton projet, il y a une notion de bien-être, il y a des notions d'utilisation du terrain, du territoire. Faut que tu t'auto-alimentes à 30%, que tu me disais. Tu as toi aussi créé une espèce de petite communauté autour de ton projet. Tu veux-tu nous en parler? Ben, tout à fait. Tu sais, dans le fond, pour faire une ville, à mon sens, c'est un amoncement. Dans le fond, c'est plusieurs petits hameaux. Donc, dans cette optique-là, c'est vraiment d'avoir une communauté forte, parce que tout le monde en a parlé, a mis des éléments en ce moment de ça. Si tu n'as rien autour de toi, tu vas prendre un auto pendant 10 heures pour aller chercher une pinte de lait, ça n'a aucun sens. Donc, un des premiers éléments, c'est effectivement, quand tu fais un projet, c'est de regarder où tu vas habiter, où le projet va se situer, qu'est-ce qui va se faire. Et c'est de réunir, en fond, on parle justement de planification, de bien réfléchir les besoins, comment on va réussir les choses. Donc, c'est réunir, en fond, tous les gens, les acteurs qui peuvent en fond, avoir un impact et bien planifier ce projet-là. Donc, on a réuni, en fond, l'entrepreneur, les ingénieurs en électricité, en structure. Écohabitation fait partie du groupe. Et ça nous permettait, en fond, d'avoir vraiment un bassin d'informations, un bassin de connaissances. Effectivement, comme Mathieu l'a dit, j'ai peut-être une idée, mais j'ai aucune idée peut-être comment l'appliquer ou comment qu'elle peut s'appliquer. Donc, mon voisin, généralement, a souvent la réponse. Donc, c'est une petite communauté qui font des projets les plus performants. Et c'est en parler avec tout le monde. C'est pour ça aussi que dans la certification, il y a une obligation, un des critères, c'est l'enseignement, la présentation de ces projets-là. Et c'est là aussi qu'on vient à questionner justement la relation de ces projets-là avec la communauté. Donc, comment que ce bâtiment-là, ce projet-là peut redonner, dans le fond, passant par sa beauté, par éventuellement, selon le type de projet, évidemment, ça peut être des bancs publics, un parc public, un accès, dans le fond, au terrain de ce bâtiment-là. Évidemment, pour des maisons résidentielles, ça ne demande pas exactement la même chose, mais on parle justement de relation des projets avec la communauté. Autant dans les professionnels que tu as besoin d'avoir ces relations-là, mais autant que tu as besoin après, dans le fond,
à plus grande échelle avec la communauté qui est autour, de travailler justement la question de l'alimentation urbaine. Parce qu'ils nous demandent, pour ce projet-ci, effectivement, c'est 30 % du terrain doit être dédié à la culture urbaine. Donc, que ce soit les abeilles, les poules, les plantes médicinales, peu importe. Donc, c'est vraiment de regarder, dans le fond, un projet de façon holistique, comme je l'ai mentionné au début. C'est regarder, il y a tellement d'éléments, chacun des gestes a un impact sur tellement de choses. Et c'est en se regroupant qu'on est capable de justement faire le meilleur choix. C'est ça l'objectif, dans le fond. C'est de faire les meilleurs choix qui vont nous permettre aussi aux individus qui vont tourner autour de ces projets-là, qui vont les habiter, qui vont tourner autour, d'être heureux, simplement. Parce que c'est ça notre objectif, dans le fond, c'est de se créer des lieux où est-ce qu'on va être heureux. Et l'objectif de Living Building, c'est de créer des milieux régénérateurs pour l'humain, la société et l'environnement. C'est les trois ensemble. C'est pas juste dire on va mettre l'humain avant tout, on va mettre la société avant tout ou on va mettre l'environnement avant tout. Si on fait ça, dans le fond, on passe à côté carrément de les objectifs de dire bien, on fait les projets auront toujours un impact. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, c'est impossible de ne pas avoir un impact. Mais c'est quel impact qu'on veut avoir avec ces projets-là, avec ces transformations-là, avec ces agrandissements-là, peu importe le type de projet. Donc, c'est vraiment d'arriver avec, travailler sur ces éléments-là, que ce soit autant le bonheur, et c'est pour ça que la certification Living Building est une des certifications, à mon sens, les plus intéressantes. Si on parle de certification, il n'y a rien qui nous oblige d'être certifié dans la vie. Si on peut faire des projets extraordinaires non certifiés. Qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est la philosophie qui est derrière, c'est les idées qui est derrière, c'est pourquoi, dans le fond, on est arrivé à créer ces normes-là. Et c'est justement de mettre à l'avant, dans le fond, comme je l'ai dit, la relation avec la nature qu'on a et la beauté. Super. C'est vraiment bien dit. Moi j'ajouterais que c'est à micro-échelle que ça va se passer, ça. Tu sais, parce que je vais vous partager mon expérience là avec. Je travaille avec différentes ruelles, puis les ruelles ont des personnalités. C'est drôle à dire. Là, on penserait là, que c'est plein de gens différents qui habitent les ruelles, mais non. Il y en a qui sont beaucoup plus avant-gardistes. Il y en a qui s'inscrivent dans des. Ils s'engagent dans pour faire des festivals ou des spectacles dans leur ruelle. Moi, les gens dans ma ruelle ont. Il y a d'autres choses qui nous allument. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai découvert que à si petite échelle, quand tu mets les gens qui composent ces petites unités-là, bien, sont différents. Puis probablement que qu'est-ce que nous, ici, dans ma ruelle, on veut mettre dans mon sous-quartier, on veut mettre en place, bien, c'est peut-être pas exactement ce que les autres ont besoin un peu plus loin. Puis souvent, on attend à ce que les structures gouvernementales vont trouver réponse à nos enjeux, mais je veux dire, eux, ils répondent aux besoins de tout. Tu sais, les gouvernements, ils répondent aux besoins de tout le monde. Puis cette idée d'agir à très petite échelle, là, à micro-échelle, puis de mettre en place des solutions qui fonctionnent pour ces gens-là, mais pas nécessairement à 2 kilomètres d'ici, c'est une autre façon de voir les choses. Puis je pense que ça amène c'est là qu'il y a un sentiment de bien-être, puis c'est là qu'on a l'impression que le voisinage, c'est quelque chose de positif puis proactif, puis que ça amène beaucoup de valeur à nos milieux. Ça sonne, c'est de la musique aux oreilles d'un bénévole de Laval en transition, parce que nous, effectivement, c'est ce qu'on vise, de créer ces communautés-là, puis ce partage-là. Je voudrais relancer avec Fred, parce que à Solution ERA, c'est un peu ça, vous créez une communauté de gens qui ont des mêmes valeurs, puis des mêmes objectifs, puis à quelque part, vous êtes aussi dans le partage, puis l'entraide, parce que j'ai rencontré une petite anecdote, une voisine à la campagne qui a suivi un cours chez vous, puis qui s'est auto-construit. Puis elle me disait qu'il y avait eu 72 personnes qui étaient venues de la grande communauté d'autoconstruction à participer à son projet de construction
de maison. Je trouve ça fantastique de pouvoir arriver à créer ce genre de réseau-là, puis faire en sorte que les gens s'entraident, puis partagent leurs connaissances. Parce que c'est compliqué quand tu lances dans ce genre de projet-là. On est, il n'y a personne d'expert, mais la somme de tous fait que on devient... ça crée une force. J'aimerais ça t'entendre, Fred, un petit peu sur votre mouvement. J'aime ça que tu appelles ça un mouvement. C'est vraiment notre vision. Je vais essayer de réouvrir ma caméra, voir si ça se passe bien et le son est bon. Ça va pour vous? C'est très bon. Parfait. Bien, notre mouvement Solution Era, c'est l'ère des solutions, Solution Era. C'est vraiment ça notre vision depuis les débuts. Puis, tu sais, le ERA, dans le fond, c'est un acronyme aussi. C'est l'art des solutions pour sortir de l'art des problèmes. Mais le ERA, c'est éthique, résilient pour l'abondance. Parce qu'il faut que les solutions soient éthiques, c'est-à-dire qu'elles soient gagnantes pour tout le monde. Qu'elles soient résilientes, c'est-à-dire que même quand ça va mal ou qu'il y a des défis, que ça continue à fonctionner. Et il faut qu'ils créent de l'abondance parce que sinon, ça fait des projets qui sont portés à bout de bras. Puis ça crée de l'épuisement puis les gens arrêtent de les avancer. Fait que l'abondance autant financière qu'émotionnelle, que relationnelle, que sociale, c'est vraiment important sur tous les axes que ça crée de l'abondance. Puis là-dedans, on a trois grands piliers. Un qui est l'éco-construction, puis la matière, la nourriture, la permaculture qu'on connaît vraiment beaucoup pour. Ensuite, il y a un autre axe qui est l'individu, tu sais, parce qu'autant qu'il nous faut l'autonomie puis l'abondance dans son habitation, autant qu'il nous faut l'autonomie puis l'abondance dans sa personne propre, son estime de soi pour réaliser ces projets-là. Puis il faut l'autonomie puis l'abondance en communauté, en groupe. Fait que ça, c'est comme communauté puis entrepreneuriat. Fait que c'est vraiment nos trois grands axes. Puis on commence toujours par inspirer les gens. La solution ERA s'en va faire des formations pour que les gens exécutent avec brio. Et ensuite, dans le fond, on commence à exécuter nous aussi. Fait que dans le monde de l'habitat qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, on est en train de développer un projet à Eastman, le projet Living Building Challenge, comme Maxime nous inspire vraiment beaucoup. Fait que là, on cherchait comment qu'on pouvait exécuter. On s'est inspiré un peu de la stratégie des E-Chip aussi. Michael Renault, qui est là-bas, il construit des E-Chip. Puis la raison pourquoi c'est un bâtiment aussi performant, puis exceptionnel, puis efficace, c'est parce qu'il ne passe pas beaucoup de temps dans son bureau à théoriser. Il en construit un, il teste, il observe dans le monde physique comment ça se passe. Puis après ça, dans le fond, il met à louer. Il en construit un autre, il l'observe dans le monde physique, puis là, il l'améliore, puis là, il met à louer. Puis là, après ça, il vend le premier, puis là, il y a une rotation de cash flow. Fait qu'il y a vraiment une belle façon d'abondance là-dedans. Fait que si tu veux me montrer à l'écran, Paul-André, je pense que c'est toi qui peux le mettre. L'Oasis, qui est un de nos projets. Fait que le but, dans le fond, c'est d'avoir un projet qui s'en va vers Living Building Challenge. On sait que le premier, on va être à 80 ou 90% là, pas à 100%. Mais l'idée, c'est d'en faire plusieurs pour que, dans le fond, on cherche pas à faire un projet parfait dans 5 ans, mais qu'on fasse 10, 20 projets dans les 5 prochaines années. Qui finalise vers la perfection de Living Building Challenge, mais en se rendant, on a un impact vraiment positif. Fait que ce projet-là, c'est vraiment une fonte de tous nos standards, c'est-à-dire autonomie et résilience, c'est-à-dire on a les panneaux solaires pour l'autonomie électrique, la serre pour la résilience alimentaire, on a l'expérience de vie avec l'atrium qu'on peut voir au centre, la grande partie vitrée qui est la serre des humains. On a la simplicité parce que dans le fond, ça, c'est l'équivalent de 6 mini-maisons qui sont à l'intérieur, 6 suites complètes. Chacun a son espace intime. C'est aussi dans le volet exécutabilité, c'est vraiment facile à exécuter au plan légal. C'est une maison unifamiliale avec une personne qui serait dans le fond, une coopération des gens ou une personne qui fait la nourriture. Ça, c'est en bas à droite que ça se passe, les espaces communs. Puis en haut à droite que vous voyez, c'est le coworking, l'espace de travail commun. Fait que c'est comment qu'on fait pour densifier l'habitation en campagne et rendre écologique. Parce que dans nos recherches, on s'apercevait que si tu construisais des petites maisons, c'était plus écologique, comme qu'on l'a dit tantôt. Si tu collais ces petites maisons-là ensemble, ben tu sais, c'était moins cher parce que tu avais moins de murs extérieurs construits, tu avais moins de murs extérieurs pour la déperdition de chaleur. Fait que plus que tu colles de mini-maisons, puis quand tu fais ça à grande échelle, ben tu t'aperçois que c'est une tour à condo. Puis une des conclusions, c'est que une tour à condo en béton à Montréal est probablement plus écologique, l'habitat est probablement plus écologique que quelqu'un qui se construit une maison unifamiliale à la campagne qui doit prendre son auto à gaz à chaque journée pour aller travailler puis aller à l'épicerie pour porter ses enfants à l'école. Fait que le nord de la guerre, c'est comment qu'on crée un projet inspirant avec une qualité de vie que les gens veulent vivre puis avec un vrai impact écologique. Fait que c'est pour ça qu'on condense l'habitation, qu'on le rend accessible
avec plusieurs personnes qui habitent dedans. Qu'on se déplace avec des autos électriques, évidemment, puis que les gens puissent travailler de la maison et que beaucoup de la nourriture soit produite sur place. Fait que ça, c'est le but de ce projet-là, c'est, OK, avec tout ce qu'on a appris comme savoir dans le certificat en design de bâtiments écologiques, il y a plein de monde qui ont été faire leur projet, comme sûrement Lynn Taillefer, je pense que c'est elle que tu parlais, Paul. Les gens vont construire leur projet, puis nous, dans le fond, notre mission avec ça, c'est de montrer un exemple de ce qu'on pouvait faire à grande échelle avec brio. Fait que ce projet-là, dans le fond, va être en location pour les gens. Puis si les gens qui louent sont intéressés, ils peuvent racheter le bâtiment quand ils habitent ensemble et qu'ils aiment ça. Puis moi, j'ai joint une petite parenthèse, j'ai joint un collectif de cohabitat à Frelischburg. Puis j'ai construit une maison semblable à ça, mais pour 2-3 familles, à la place d'être 6 mini-maisons, ça va comme être 2-3 unités familiales dans une maison unifamiliale pour que ça soit facile à exécuter au code. Fait que c'est la petite présentation rapide d'une des idées de comment on peut exécuter avec brio la vision écologique. Merci, Frédéric. Je ne sais pas si Benoît veut renchérir ou Mathieu sur la thématique. Ben, moi, je trouve ça, Frédéric, tu parlais de Frédéric ou Paul, enfin... Il y a quelqu'un qui a nommé l'aide qu'il a reçue de la communauté, les 72 personnes qui sont venues aider. C'est Frédéric, je pense, qui a nommé. C'est moi qui a parlé d'une de mes voisines à la campagne. Oui, qui était. Puis il y a eu plein de gens. Puis j'ai eu beaucoup d'amis aussi quand j'ai lancé un appel. Je disais, hey, là, on est rempli. J'avais déjà commencé à déconstruire la maison quand on lançait le projet avant que finalement les plans changent pour différentes raisons. Mais j'avais lancé un appel à tous, puis j'ai peut-être une vingtaine ou une trentaine d'amis qui sont venus aider, chacun avec ses compétences différentes, puis chacun est venu donner un coup de main, puis fait que faire partie d'un réseau, puis de compter sur les autres, puis lancer des appels, c'est le fun. Moi, j'aime ça aller aider mes amis aiment ça venir m'aider, puis il y a des gens, des fois, tu sais, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, puis qui ont envie de se joindre à un projet comme ça, fait que la communauté, c'est chacun a son réseau. Puis des fois, on ne soupçonne pas que le réseau est là pour nous aider. T'sais, on a peut-être perdu un peu le réflexe de compter sur la collectivité. Tu as fait raison, Benoît. Oui, je trouve ça vraiment intéressant, le projet des semaines. Puis qu'est-ce que je trouve frappant, c'est que c'est encore une fois, là, c'est une micro-unité là, de gens qui habitent ensemble. Puis ça revient à ça, hein, c'est l'expérience humaine, c'est ça qui va avoir un impact très grand sur nos vies, puis la cohérence avec nos valeurs et tout ça. Fait que moi, je trouve ça intéressant parce que moi je suis un gars urbain, j'habite dans Rosemont-la-Petite-Patrie, fait que j'ai une vision très spécifique de ces unités-là, là, que les ruelles ou les micro-quartiers, mais je vois tellement de choses en commun avec qu'est-ce qui est présenté. C'est intéressant, tu sais, en tout cas, pour moi, ça m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Moi, ce que présentait Frédéric, je vois tellement ça en ville parce qu'on se rend compte avec le télétravail, si on est capable d'avoir ce genre d'unité-là où on réunit des familles ensemble, mais les services sont à même la bâtisse ou adjacent ou pas loin, on vient de créer, comme Maxime disait, des petits hameaux. Hein, comment recréer des petits hameaux qui soient intelligents, qui soient performants, qui surtout répondent à nos besoins actuels, qui ne sont plus les mêmes que ceux qu'on avait il y a 10 ans. Je vois énormément de... Ouais. Mais ces besoins-là sont souvent les mêmes. T'sais, on a besoin d'un espace pour travailler, on a besoin d'un espace pour partager, on a besoin d'un espace pour prendre l'air, pour se divertir. Tu sais, c'est toujours ces mêmes besoins-là. Puis c'est pour ça que la mise en commun est facile si on prend le temps d'y penser puis de le faire. Oui, la seule nuance que je disais au niveau des changements de besoins, c'est surtout au niveau du télétravail. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut aller de plus en plus vers le télétravail et moins prendre l'auto pour redescendre au centre-ville, pour rentrer dans notre cubicule. C'est là que la donne change un peu. Est-ce qu'il y a un autre panéliste qui voulait réagir sur le sujet? Ça va, on a fait le tour. On parlait de... Peut-être avant, parce que je vois, Marianne, il y a peut-être des questions qui vont venir très bientôt du public.
J'avais peut-être une dernière question. On parlait beaucoup de maisons saines, puis de les matériaux sont importants, j'imagine, hein, lorsqu'on veut rénover ou construire une nouvelle propriété. Est-ce que c'est facile de trouver une certification de matériaux sains, éco-certifiés, je ne sais pas trop. Quand je vais à SAQ, moi, c'est facile. L'étiquette est en vert quand je vais acheter un vin bio, mais un 2x4, ou savoir s'il a fait bien du chemin ou pas trop. Est-ce que c'est normé, ça? Est-ce que... J'aimerais sauter là, la première chose avant de chercher des matériaux avec une empreinte minime, c'est le matériau qui a le moins d'empreinte, c'est celui-là que tu n'utilises pas. Juste pour être super clair, celui-là que tu n'utilises pas, c'est le plus écologique, dans le sens que si tu fais une rénovation, c'est déjà beaucoup plus écologique que construire à neuf. Construire plus petit, tu utilises moins de matériaux, c'est déjà beaucoup plus écologique. Puis après ça, il y a des matériaux que tu as besoin, que je vais laisser Maxime répondre, mais je voulais juste genre glisser en premier, c'est le matériau que tu n'utilises pas qui est le plus écologique en partant. Ensuite, je laisse Maxime continuer. Mais tu as tout à fait raison. C'est... Puis pour enchérir sur ce que tu dis, le deuxième point, c'est le matériau le plus simple. Le matériau le plus simple dans sa construction, dans sa finition, mais aussi dans son installation et son retrait. Donc, si on parle de matériaux collés, ben, c'est toujours plus difficile hein, de l'utiliser par la suite, faire quelque chose d'autre avec. Donc, les matériaux les plus performants vont être ceux qu'on les plus simples à installer, puis les plus faciles, les simples à défaire, ceux que tu utilises évidemment absolument pas. Donc, et ceux que justement sont les plus simples en matière, dans le sens du bois, quand on est capable, laissons-le brut. On n'est pas obligé de mettre du vernis à tout bout de champ sur n'importe quelle pièce de bois. On n'est pas obligé de mettre des couleurs. Puis, tu sais, on peut aimer aussi, dans le fond, le vieillissement des matériaux. On a perdu en Amérique beaucoup cette notion-là de vieillissement des matériaux. Donc, il faut absolument les rendre inertes, non vivants. Les patines qui se font au fur et à mesure quand on touche une pièce de bois, ça marque le passage du temps. Dans un de mes cours à l'université, je me souviendrai toujours de l'anecdote d'un des professeurs qui parlait d'un hôpital, malheureusement je ne me souviens plus où, mais le bureau en question, c'était le bureau du chirurgien qui annonce à son client, à son patient, ben, qu'il a le cancer. Et dans son bureau, ça donne qu'il a une belle poutre de bois, une belle colonne de bois plutôt. Et c'est drôle, hein? Tout le monde vient mettre la main dessus à chaque fois qu'il annonce au patient qu'il a le cancer. Et à peu près toujours à la même place. Fait que tu as vraiment une marque qui s'est faite au fur avec les années. Mais tu sais, rien, là. Il n'y a pas justement de produit chimique qui a été appliqué par-dessus. Ceci dit, pour revenir avec ta question plus spécifique, Paul-André, il n'y a pas. Comment je peux dire? Les matériaux est un monde en soi. Juste le choix de matériaux est un monde en soi. Il y a énormément de systèmes, de plateformes pour te décrire les matériaux qui existent. Living Building a essayé de simplifier ça en donnant des labels, des étiquettes aux matériaux pour décrire, dans le fond, la composition chimique de ces matériaux-là. Un peu dans la même idée que dans ta boîte de céréales, tu as une étiquette avec une grille d'analyse qui dit qu'est-ce qui se passe dans ce matériau-là. Et si on va encore plus loin, il y a la certification Living Product Challenge, qui est le même esprit que pour les bâtiments, mais pour la production d'un matériau. Donc, pour un produit donné, que ce soit une tasse ou n'importe quoi, tu as la même réflexion avec son analyse de cycle de vie, sa consommation d'eau en production, etc., etc. À part ça, si on va globalement, il y a les fiches de déclaration environnementale, tu as les fiches HPD, qui elles sont pour la santé, qui est un peu aussi la composition chimique. Mais tout ça est le bon vouloir des manufacturiers.
Donc, il y a quelques normes au code qui viennent gérer certaines choses, mais de façon générale, c'est tous au bon vouloir des manufacturiers. Donc, on a énormément de défis de transparence réelle sur les produits. Je prends un exemple, deux exemples qui me viennent en tête. J'ai trouvé un robinet le plus performant au monde que j'ai trouvé. On parle d'une consommation d'eau, c'est-à-dire à chaque minute, il s'écoule 0,67 litres. Normalement, un robinet en ce moment est autour de 5. J'ai demandé justement, « Hey, est fait de quoi votre produit? » Puis la première réponse que je me suis fait dire, « Mais il faudrait que j'engage des ingénieurs pour le savoir. » Mais ça veut dire que tu n'as aucune idée de ce qui est dedans. Ça veut dire, tu ne sais pas s'il y a du plomb, s'il y a d'autres produits chimiques qui sont endommageables pour la santé. OK, ça me tente-tu de boire de ton robinet? Je ne le sais plus. Un autre produit, c'est un isolant de chanvre. Il y a 12 % de plastique dedans. Mais ce plastique-là contient-tu justement de ces fameux produits chimiques les plus dangereux qu'on connaît, que Living Building essaie de bannir? Il essaie de bannir 20 produits chimiques, 20 classes de produits chimiques. Bon, c'est les familles. Donc, après, en réalité, ça fait quasiment 800 quelques produits chimiques si on décortique. Qu'on essaie de bannir. Et ça, c'est les plus dangereux qui sont reconnus, qui ont des études, là. Après, tu as certaines autres certifications ou autres groupes qui en classent d'autres, qui en rajoutent ou du classement en prévention. Donc, c'est très dur à dire. Un matériau, est-ce qu'il est vraiment, vraiment vert? Ça dépend de son utilisation, ça dépend de tes conditions, de tes besoins. Du polyuréthane, ça reste un des isolants les plus performants auxquels on a accès présentement. Mais c'est des produits chimiques, c'est du plastique, c'est des dégagements de COV. Mais selon certaines circonstances, il devient le matériau le plus vert que tu peux avoir. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de classement pur. Il n'y a pas de source pure. C'est vraiment dans l'analyse, dans le fond, des besoins du projet qu'on va pouvoir déterminer, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus vert. Donc, c'est vraiment, tu sais, quand je reviens encore et toujours avec ce mot-là, mais c'est toujours avoir une réflexion holistique. Donc, regardez tous les aspects que chacune de ces décisions-là vont prendre. Puis, à chaque fois que tu choisis un matériau, il faut que tu regardes ça. Parce qu'il faut que tu regardes d'où il vient, comment il a été fait, comment tu vas t'en débarrasser. Présentement, si on parle d'étanchéité à l'air, d'étanchéité de protection à l'eau, les produits les plus performants, c'est des produits collés, qu'on vient coller dans le fond sur nos bâtiments. Mais si tu parles après de déconstruire ton bâtiment, ben il est collé, je ne peux plus l'ôter. Fait que ton matériau, sur le substrat sur lequel il est collé, ben too bad, il est fini. Donc, il faut penser après, ben dire, ouais, OK, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce que je peux faire une autre composition? Mais selon certains cas, c'est impossible. T'es mieux de faire ça. Donc, l'élément, c'est ça. Négatif, dans le fond, du fait qu'il est collé, devient éventuellement un élément très positif. Donc, c'est vraiment une analyse complète, dans le fond, de cette réflexion-là sur le choix d'un matériau. C'est sûr, mettons, si tu compares une peinture à la chaux, une peinture au lait versus une peinture standard, si tu regardes la liste des ingrédients, si tu fais juste une analyse rapide de la liste des ingrédients, une peinture standard, là, même si elle n'a pas de produits chimiques, mettons, interdits par dans toutes les certifications, ça reste qu'il y en a encore, Lynn. Donc, tu sais, on peut se poser la même question que quand on fait nos choix alimentaires. Est-ce que, tu sais, produits transformés versus produits non transformés? D'accord. Ben, merci, Maxime. C'était
C'était très, très enrichant. Puis on se rend compte que c'est très complexe comme monde. Ce n'est pas nécessairement le matériau, mais c'est comment tu l'utilises, puis à quel essaim. Et ouais, OK, d'accord. Raison dans le sens, le premier matériau le plus écologique, c'est celui que tu n'utilises pas. Donc, c'est de simplifier au plus haut point l'utilisation des matériaux à la base. Mm-hmm. Je pourrais faire un petit résumé là, de mes matériaux préférés. Je m'inspire beaucoup des granges du Québec. Là. Tu sais, les granges du Québec, revêtement en pruche extérieure, tu sais, le bois va durer 50, 100 ans sans aucun produit dessus, aucun entretien. De la tôle, de la bonne vieille tôle grise, ça dure vraiment longtemps. Vraiment des matériaux simples. Je voulais juste donner des petites idées d'inspiration pour les gens que beau, bon, pas cher. Là. Les granges du Québec, les gens dans ce temps-là, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, puis ils choisissaient intelligemment ce qui allait prendre le moins d'entretien puis être plus efficace avec juste des ressources simples. Oui, puis il y a une autre chose, c'est de bien les utiliser à bon escient et aux bons endroits. D'accord. Marianne, je vois que tu viens parmi nous. Est-ce que tu as des questions des gens qui nous écoutent? Bien sûr, il y a quelques questions justement qui ont émergé. Puis comme je vois le temps passer, je veux quand même prendre le temps justement de poser ces questions. On avait une question de Louis qui demandait, bon, les habitations à fondation béton qui étouffent le sol sur la surface totale du bâtiment, sont-elles tout de même considérées comme écologiques? J'ai déjà cette première question-là de lui. Il y avait aussi une question sur les mini-maisons, mais j'aurais envie de vous entendre sur ce point, selon vous. Je peux y aller, ça m'appelle cette question-là. Vas-y, Fred. Parfait. Fait que, dans le fond, un bâtiment qui étouffe le sol, fait que définitivement, un bâtiment qui est construit va être sur le sol. On pourrait le faire sur pilotis, ça fonctionnerait aussi. Puis on n'étoufferait pas autant le sol. Cependant, un des premiers critères d'empreinte d'impact écologique d'un bâtiment, c'est pas tant qu'il soit écologique, mais qu'il soit de qualité et durable avant de penser à des choses sophistiquées écologiques, de qualité et durable. Fait que durable, quelque chose sur pilotis va toujours être moins durable que quelque chose sur une fondation en béton bien assise sur le sol. Puis on cherche toujours à avoir quelque chose d'autre que le béton. Le béton, c'est un des plus grands polluants de notre planète. Et en même temps, si tu cherches quelque chose de biodégradable à mettre dans le sol, ben ça va se biodégrader. Fait que c'est ça qu'il faut pas. Le béton est une technologie exceptionnelle. On recrée littéralement de la roche sous la forme qu'on veut. Fait que mon point avec ça, c'est faire une maison sur fondation, ça prend une partie de la surface sur la terre, mais ça a plus de durabilité qu'une maison sur pilotis. Donc, moi, je préférerais une fondation en béton sur le sol et utiliser le moins de béton possible. Fait que ça serait ça, mes choses. Si vous voulez vraiment être super écologique puis alternatif, et aussi de faire des fondations en pneus qui sont extrêmement solides, résilients et comme un extraterrestre pour toute personne légale ou municipalité. Mais ça étant dit, non, mais c'est vrai, il faut le considérer, mais c'est une solution qui est très exécutable. J'ai vu des gens qui, en tout cas, je pourrais en parler plus longtemps, là, mais une belle fondation en pneus vraiment bien faite, c'est vraiment une minuscule empreinte. Enfin, on recycle des pneus qu'on aurait brûlés de toute façon pour faire du béton. Puis on les recycle pas, on les réutilise tels quels. La différence entre recycler puis réutiliser, c'est recycler, c'est que tu remets de l'énergie grise dans le matériau pour le transformer, pour le rendre utilisable, tandis que réutiliser, tu le prends tel quel. Mais bref, tout ça pour dire que le béton est vraiment, selon moi, puis selon ce que j'ai vu, la bonne solution pour un bâtiment durable, parce que c'est non biodégradable, puis ça fait que la maison va durer longtemps. Mais il faut l'utiliser le moins possible. Merci, Fred. Je voyais peut-être Maxime qui avait envie de rebondir. Est-ce que... Ben, j'abonde avec ce que Fred dit. Dans le fond, la première question, si on veut minimiser dans le fond notre impact au sol, c'est déjà se poser la question de l'empreinte du bâtiment, donc la grosseur du bâtiment. Et la deuxième, ben, ça se posait la question, est-ce qu'on a besoin d'un sous-sol? Peut-être pas. Parce que sous-sol veut souvent dire nappe phréatique, veut dire pompe, veut dire membrane, veut dire ci, veut dire ça, problème d'humidité, et j'en passe.
Je sais qu'on a eu une bonne période de creusage de sous-sol et des fois on cherche de l'espace. Je sais qu'à Montréal, on fait beaucoup de projets de creusage de sous-sol. C'est pas que je dis que les sous-sols sont mauvais à proscrire, mais c'est vraiment d'avoir une bonne réflexion sur les besoins initiaux, dans le fond, des gens. Puis après, ben oui, fondation, écoute, il y a des fondations. Le code permet des fondations en bois. Baigner dans l'asphalte. Durabilité, on repassera. On a fait la plupart des vieilles maisons sont faites en pierre avec mortier de chaux, mais oui. La plupart doit être refaite ou consolidée ou vraiment relevée à maison. Fait que, veux pas, le béton, effectivement, reste encore une très, très bonne fondation à défaut d'avoir trouvé vraiment quelque chose qui le remplace très, très bien pour l'instant. D'accord. Avant de poser ma question sur les mini-maisons, j'avais une question du côté de pour Mathieu, en fait, qui nous provient de Magdalena, qui se demandait, dans le projet justement de Celsius, est-ce que vous allez avoir besoin d'une entente avec la ville pour l'utilisation de la voie publique? Oui, dans l'optique qu'on va faire les forages dans la ruelle. Donc, on est déjà en communication avec la ville. Puis la ville nous supporte là. Puis il faut faire des demandes de permis comme n'importe quel citoyen. Sauf que c'est ça. Dans le cadre du projet vitrine, on a réalisé qu'il y a beaucoup d'avantages à forer sur les terrains. Ben, premièrement, la proximité. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça évite un enjeu logistique avec la municipalité parce que ça va relativement bien dans des les ruelles vertes, les gens ont déjà, je pense que ça prend 80% des voisins qui acceptent que ce soit une ruelle verte. Fait que les gens sont déjà mobilisés, puis habituellement, ça va bien, puis ils sont très motivés. Mais il y a un côté démocratique là-dedans aussi. Puis on pourrait se retrouver avec une ruelle que les gens disent, ben non, je veux pas que tu creuses dans la ruelle. Donc, nous autres, toutes les options sont sur la table. On est en communication avec la ville depuis le départ avec l'arrondissement. Même que là, on a des discussions avec le bureau de la transition écologique à la ville de Montréal. Ça fait partie des options. Mais pour l'instant, avec le projet vitrine, on réalise qu'il y a beaucoup plus d'avantages de creuser sur un terrain ou en deux terrains ou plutôt que derrière. Mmh. Puis est-ce que ça. Puis Magdalena vous se demandait aussi si ça nécessitait un autre système d'appoint, en fait, que d'utiliser la géothermie. Oui. Les gens ils gardent leur système de chauffage et c'est finalement la géothermie qui est un système d'appoint. Là, puis c'est important pour nous, de par les objectifs, de ne pas surdimensionner la capacité des systèmes de géothermie. Donc, mais on s'attend à ce que ça couvre là, 75 à 80 % des besoins de chauffage et de climatisation. Donc, au-delà de ça, s'il fait beaucoup très, très froid, ben les gens vont avoir besoin de leur système d'appoint. Donc, c'est complémentaire. Parfait. Merci beaucoup pour ces réponses, Mathieu. C'est vraiment un super beau projet. J'ai peut-être une question qui irait de ce côté-ci, du côté de Benoît. En fait, elle va s'adresser autant à Benoît qu'à Maxime, mais vu que justement, Benoît, tu visais dans le cadre de ton projet une certification passive house, ma mémoire est bonne, et donc aussi Maxime là, avec le Living Building Challenge. On se demandait, pouvez-vous donner des exemples de gestes concrets dans le cadre de la certification de vos projets? Donc, peut-être Benoît en premier. Bien, on visait passer force, puis lead aussi, on visait lead platine. Puis concrètement, concrètement, comme geste, il faut une performance. Moi, ce que je trouve bien avec la certification passer force, c'est pas juste tu dis comme, hey, moi, j'ai fait une maison écologique. Tu dis, bien, voici la performance au niveau de la gestion de l'énergie. Puis comme une partie importante du projet, ben tu peux après ça atteindre un niveau passé fort, je te dis, OK, tu arrives à te chauffer sans système autre que le soleil qui rentre. C'est passé fort, c'est ça, c'est ta maison se chauffe uniquement par le soleil qui rentre par tes fenêtres. Fait que l'hiver, il fait 22, 23 dans ta maison juste parce que le soleil rentre par tes fenêtres. Fait qu'il y a des mesures de ça, puis ben je ne sais pas si ça répond à la question, des mesures concrètes. On dirait que j'aimerais rebondir assez, Doris, sur ma caméra. Vas-y, Fred. Surtout sur le Passive House. Parce
Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. On ne voit pas, mais on t'entend. Pour la petite histoire, là, pour les gens qui nous écoutent, parfait. Il faut dire que Fred est au Costa Rica actuellement. Il est bien, bien loin de nous. On est bien chanceux de l'avoir ce soir. Oui. Désolé pour mon Internet, de fondrant. Mais là, j'ai été invité à donner un cours de résilience, d'autonomie et en éco-construction ici. C'est que j'ai accepté l'offre. Mais pour ce qui tient de notre chose, ça m'a fait perdre mon plan, mon Internet de fondrant. Passive House. Voilà. Oui, Passive House, certification. OK, c'est vraiment dangereux avec les certifications. J'aimerais mettre un côté positif et un côté négatif aux certifications. Un côté positif, c'est que si tu connais rien, d'habitude, ça va t'amener dans la bonne direction. T'sais, si tu veux pas explorer trop le truc, c'est juste comme je veux avoir une moins grande empreinte écologique puis je veux pas trop me casser le basic, c'est demande-le puis après ça, tend vers Living Building Challenge. Notez que j'ai pas parlé de Passive House, surtout Passive House allemand, puis je vais m'en servir comme un exemple qui éloigne les gens de la justesse, selon moi. Par exemple, j'ai un ami, Benoît Lavigard, qui a fait une Passive House de certification allemande. Puis, il a pris des décisions, parce que c'est une passive house de certification allemande, il a pris des décisions qui étaient seulement pour la certification, qui ne faisaient pas de sens dans notre réalité québécoise. C'est-à-dire que la certification est faite pour des gens que leur électricité est polluante. Nous, l'électricité est dans les plus propres au monde. Fait que c'est pas une bonne idée d'avoir un poêle pour cuisiner la nourriture au gaz. T'sais, c'est pas une bonne idée d'avoir quelque chose pour chauffer l'eau au gaz. Il y a plein de décisions comme ça que cette certification-là allemande le fait dérouter du gros bon sens québécois. Fait que moi, je pense que c'est important de s'en inspirer et de bien savoir choisir sa certification. J'ai un autre ami qui était comme « Ah, j'aimerais ça avoir la certification. » Je pense que c'est passé fast aussi. Il était comme « Ma consommation au mètre carré est un peu trop grande. Si j'agrandissais ma maison, je diminuerais ma consommation au mètre carré puis là, je pourrais avoir ma certification. » On est comme « Dude, tu construis une maison plus grande pour avoir une certification écologique, mais c'est moins écologique. » Fait que finalement, lui, il l'a pas fait, le passive house. Mais c'est juste pour faire attention de c'est notre objectif, c'est l'impact écologique. La certification est faite pour servir ça, mais des fois, elle nous détourne de notre intention première. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis Fred, dans le fond... Oui, vas-y, Benoît, vas-y. C'est intéressant ce que tu dis, mais moi, ce que je voyais d'intéressant dans Passive House, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'au Québec, on ne peut pas l'atteindre Passive House. Puis une maison qui a réussi à l'atteindre au Saguenay, avec les quatre murs exposés. Fait que tu sais, il faut aussi voir, quand tu as une maison rangée avec deux murs mitoyens, c'est pas si compliqué de te chauffer par le soleil. Puis après ça, bon, tu atteins la certification. Il faut éviter les incohérences, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais de réaliser qu'au Québec, on n'est pas, c'est pas le pôle Nord. T'sais, à Inukjuak, où j'ai habité il y a quelques années, là, c'est pas possible. T'sais. Puis Passive House le reconnaît. Mais au Québec, dans le sud, quand tu habites dans le Nord, on appelle ça le sud, là, Montréal puis Laval. Fait que quand tu habites dans le sud, ben c'est possible là, de te chauffer uniquement par le soleil. Fait que tu sais, ce serait intéressant qu'on tende vers ça. L'essence de Passive House, là. Pas d'autre système que le soleil qui rentre par les fenêtres. Puis ça fait un peu du pouce aussi sur ce que Maxime, tu nous disais tantôt justement avec Living Building Challenge, que sans nécessairement posséder la certification, parce que bon, tu as eu le plaisir de nous en parler justement avant l'événement, ça a l'air quand même assez complexe à obtenir, mais de tendre justement vers cette certification-là, c'est quand même très intéressant, puis ça peut donner des belles pistes, effectivement, comme Fred le disait aussi tantôt, puis Benoît. Concrètement, Living Building Challenge, qu'est-ce qu'on verrait dans une maison, justement, Building Challenge? Là, du gyps, on en verrait-tu? Oui. Oui, OK. Oui, c'est pas prescrit. Tu sais, comment je peux dire? Une réflexion du Living Building Challenge, c'est principalement d'atteindre les objectifs. Donc, c'est pas comment vous allez les atteindre, c'est d'atteindre les objectifs. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment principalement une philosophie puis un outil, dans le fond, de conscientisation qu'une certification. Certification, c'est vraiment le dernier de leurs soucis, dans un sens. Le but, c'est vraiment de changer maintenant, demain, dans le fond, les pratiques puis arriver avec des nouvelles façons de penser. Donc, comme Benoît vient de le dire, pourquoi pas dire que tous nos bâtiments devraient... utiliser au maximum, dans le fond, l'énergie solaire. À la base, on a de l'énergie gratuite. Commençons par ça. Avant, commençons par ne pas en utiliser, mais, tu sais, donc, c'est la première chose.
un projet Living Building, pour ceux qui veulent regarder sur le site de l'Institut, taper Living Building Challenge, c'est beaucoup plus facile à retenir et à le trouver. Il y a tous les projets qui sont certifiés. J'ai d'ailleurs mis le lien justement dans la zone de discussion. Fait, vous allez voir que c'est on parle de tout. Là. Il y a des maisons, il y a des écoles, et ça ressemble de tout à tout. C'est des projets qui sont adaptés à leur milieu. C'est principalement ça. Donc, si c'est urbain, c'est urbain. Si c'est isolé, c'est plus isolé. Mais ça tend vraiment à un adapté. Oups, on a perdu ton son, Maxime. Oui, j'ai vu ça. Ah, bon. On a perdu juste les deux derniers mots. Donc, tu sais, c'est ça, c'est des projets qui sont adaptés, dans le fond, au milieu. L'image qu'ils utilisent, c'est une fleur. Une fleur, dans le fond, c'est elle ne se promène pas, là. Tu sais, elle est fixe. Donc, elle puise l'énergie du soleil à localiser où est-ce qu'elle est. Appuise l'énergie du sol, les nutriments du sol, les nutriments de l'eau. Dans le fond, tout ce qui est là, présentement. Elle est belle à la regarder. Elle offre des odeurs magnifiques. Et en même temps, dans le fond, elle nourrit la population d'insectes. Puis même des oiseaux selon l'espèce. Donc, c'est vraiment cette métaphore-là qu'ils utilisent et qu'ils voient, eux, les bâtiments. Donc, c'est vers ça qu'on essaie de tendre. Dans les réflexions, fait qu'un bâtiment de Living Building, principalement, c'est ne pas utiliser d'énergie, ne pas utiliser de matière, diminuer dans le fond nos besoins, aller vraiment aux besoins qu'on a essentiels. Pas essentiels dans le sens survie, là. Donc essentiels sur notre façon d'être, notre façon de fonctionner. C'est l'exemple qui est le plus utilisé, c'est toujours la personne qui veut mettre 70 000 dans une cuisine, mais qui n'a jamais cuisiné de sa vie. Elle va être belle. Ah, elle va être super, mais ton argent, tu aurais pu la mettre dans un mur pour isoler. Tu aurais pu la mettre sur des fenêtres pour avoir un meilleur éclairage. Donc, un living building, à la base, tu ne le verras pas. Ça sera, tu sais, un projet écologique à la base ne devrait pas être extraordinairement différent de n'importe quel bâtiment. Il peut prendre toutes les formes qu'on veut. Après. J'aimerais ça faire du pouce sur ce que tu dis, Maxime, là, juste parce que je trouve ça tellement bon. Tu sais, une maison écologique, ça peut avoir le style que tu veux. Ça peut être champêtre, ça peut être contemporain, ça peut genre avoir de l'air naturel, ça peut avoir de l'air super, genre comme futuriste. S'il y a une chose qu'une maison écologique te laisse la liberté d'avoir, c'est le style que tu veux. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, quand on commence à faire des recherches, on voit effectivement que tout à tout, là. T'sais, comme la maison au Japon qui était juste de verre, tous les quatre murs, c'est du verre. Mais elle ne consomme pas d'énergie parce qu'il y a beaucoup de mécanique dedans. C'est une approche. À mon sens, ce n'est pas nécessairement l'approche la plus efficace, la plus. Si tu ferais une analyse complète, pas sûr, mais bon. Et elle ne consomme pas d'énergie. Mais mon Dieu, qu'il y a de la mécanique là-dedans. Mais, pour prendre si on parle de gestes concrets, ben, c'est de prendre justement des robinets. Malheureusement, pas des robinets à 0,67 litres, mais c'est prendre des robinets avec des aérateurs qui nous permettent effectivement d'avoir le moins de consommation, parce qu'on ne gaspille pas quand on remplit un chaudron. On gaspille quand on se lave les mains, quand on passe notre brosse à dents 6 fois dans un jet qui, lui, remplit dans le fond un chaudron à 1 minute. C'est là qu'on gaspille. Donc, c'est vraiment aussi une réflexion de dire où est-ce que, justement, comment qu'on gaspille, tu sais, l'éclairage, j'en ai besoin. Si tu veux voir, t'en as besoin, t'as pas le choix. Donc, c'est pas vraiment dans les gestes grandioses, tu sais, c'est dans les gestes significatifs qui peuvent souvent être simples, mais l'accumulation de tous ces gestes-là. Oui, ancré dans le contexte, parce qu'en effet, là, la réalité est différente en Allemagne aussi. J'aimais ça, l'histoire de la certification allemande, je trouve ça surprenant, mais pour moi, l'analogie, c'est que c'est comme suivre
conduire en suivant un GPS sans regarder alentour. Là, ben oui, tout à fait. Là, peut-être c'est exactement ça. Messieurs, il y a encore plein d'autres questions justement dans la zone du chat, mais malheureusement, dans la zone de discussion, mais malheureusement, on arrive à la fin. Je vous remercie beaucoup. Ça termine pour moi justement la période des questions des citoyens. À toi, Paul-André. Merci, Marianne. Bon, mais c'est déjà tout pour cette activité. Je tiens à remercier chaleureusement nos panélistes. Merci à Maxime Brosseau de la firme d'architectes Zarate Lavigne, Frédéric Wiper de Solutions ERA, Mathieu Dussault de Celsius et Benoît Fournier du CERC. Merci également à vous, chers citoyens, qui avez pris part, que ce soit par votre écoute attentive, vos questions, commentaires ou réflexions. La balle en transition ne pourrait aller de l'avant dans ces nombreux projets, sans l'engagement des citoyens et des citoyennes. Que ce soit en temps, en partage d'expertise ou financièrement, chaque contribution est vitale pour le développement de notre mouvement. Pour vous impliquer, pour contribuer ou rejoindre la communauté, visitez lavalentransition.org ou la page Facebook Lavalois en transition. Vous trouverez les liens dans la zone de conversation ou dans le courriel qui vous sera envoyé pour connaître vos impressions sur la présente activité. Nous vous donnons rendez-vous ce vendredi 5 mars prochain à 19h pour visionner le film « Demain », un documentaire foncièrement humain qui nous montre des initiatives positives et concrètes pour voir émerger ce qui pourrait être le monde de demain. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un documentaire à voir absolument. Et le 6 mars à 10h, en fait de 10h à 12h30, une activité participative gratuite pour construire ensemble un meilleur avenir à Laval, en collaboration avec la caravane de la transition et le lab d'innovation sociale du pôle régional d'économie sociale de Laval. Les renseignements, vous trouverez tous les renseignements sur le site effettransition.ca. Le lien est également sur le chat. Marianne vient tout juste de le mettre. Donc, merci Marianne pour ton extraordinaire travail pour Effet Transition. Mon nom est Paul-André Dagenais. Au plaisir de vous compter parmi nous pour nos prochaines activités. Merci et bonne soirée.